Bonsoir, bonsoir à tous frères et sœurs. On a Yeshua de Nazareth. Que le Père Céleste, notre Père Céleste soit béni. Qu'il soit glorifié pour ta vie, pour nos vies. Frères et sœurs, nous sommes importants aux yeux du Seigneur. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes ses élus. Il nous aime profondément, frères et sœurs. Et il a un plan pour chacun de nos vies, frères et sœurs. Et nous sommes à la fin des temps. Et sa parole est véritable. Il est en train de répandre de son esprit sur toute chair, frères et sœurs. Il répand de son esprit sur nos vies, mes amis. Il est en train de nous enflammer, mes amis. Il est en train de nous conduire dans sa voie, dans ses voies. Il saisit son peuple, tout à chacun, là où ils sont. Et il parle au cœur de son peuple, frères et sœurs. Il parle à nos cœurs, mes amis. Et il nous communique sa pensée. Il nous communique sa vision, mes amis. Papa, Seigneur, que ce partage te glorifie, Seigneur. Père, que les paroles, Papa, te glorifient, Papa. Toutes les paroles puissent t'élever. Toi seul, Seigneur, mon roi, te glorifier, Papa. Glorifier ta parole, grand roi. Toi qui as créé toutes choses, Seigneur. Toi qui as créé le royaume, Papa, pour nous, Seigneur. Toutes choses pour nous, Seigneur, mon roi. Père, nous parlons par ta grâce, Seigneur. Nous vivons par ta grâce, Seigneur. Père de gloire, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Envers nous, Papa, au nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur. Père de gloire, que les barrières soient brisées, Seigneur. Que le message de l'évangile, Papa, que la croix, Papa, puisse, Père de gloire, entrer dans les cœurs, Seigneur mon roi. Que l'évangile, Papa, puisse entrer dans les cœurs, Papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Père de gloire, que tu sois glorifié, sois magnifié, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, mes amis. Frères, je veux glorifier mon roi. Père, nous voulons t'aimer, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Frère, nous voulons le magnifier. On veut lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans ta vie, dans ta famille. Il est en train de toucher nos familles, frères et sœurs, de délivrer nos frères et sœurs de nos familles, nos mamans, nos papas, nos cousins, nos cousines. Je vous dis la vérité, dans nos familles, le Seigneur est en train de travailler, mes amis. Le temps arrive où le salut entre dans ta famille, entre dans ma famille. Le temps arrive où le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de nos familles, briser les voiles, déchirer le voile, briser toutes les forteresses, afin que le salut puisse entrer dans leur vie. Je vous dis la vérité, il est en train d'entrer dans la vie de nos familles. Il est en train de délivrer nos familles. Voilà pourquoi tu dois être un témoignage, mes amis. Un témoin. Nous sommes des témoins. Tu dois être un témoin de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, témoins de je ne sais pas quoi. Nous sommes témoins de Jésus, témoins de Yeshua, le salut véritable, le roi véritable. Oh oui, mes amis, vous me direz, oui, il y a Jéhovah, il y a Yahvé, tout ça. Comprenez le message, mes amis. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Si vous bien appuyez sur le témoin de Jésus. Voyez, frère, ça, c'est ce qu'il a dit dans la parole. Vous serez mes témoins, mes amis. Oh oui, alléluia. Témoins de Yeshua, et comme le Créateur, oui, nous sommes témoins de Dieu, témoins du Créateur. Alléluia, alléluia, mes amis. Waouh, frère, l'évangile bouillonne dans nos cœurs, son amour bouillonne dans nos cœurs, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, c'est un cri de Yeshua aujourd'hui. Il veut parler à nos cœurs, parler à ton cœur, mes amis, parler à ton cœur pour te réveiller, parler à ton cœur pour te secouer, mon ami. Alléluia, parce qu'il compte sur toi, Église. Il compte sur toi, mon frère, ma soeur. Il compte sur toi aujourd'hui. Aujourd'hui, pas dans 10 ans. Aujourd'hui. Oh oui. Tu vois, aujourd'hui. Il te dit, où es-tu? Tu dois dire, me voici. Oh oui, voilà la réponse. S'il t'appelle, dis, me voici, mes amis. Alléluia. Alléluia. Comme Samuel, il a hésité plusieurs fois. Samuel, le Seigneur l'appelle, il allait voir Élie, en gros, l'homme. Quand le Seigneur appelle beaucoup de chrétiens, le premier réflexe que nous avons, c'est d'aller voir les hommes. D'aller voir qu'est-ce que l'homme va nous dire. Qu'est-ce que on va. Voilà. C'est le premier réflexe, vous voyez, parce que nous sommes humains. Mais le Seigneur veut que nous attendions à lui, frères et sœurs. Qu'on lui dise, me voici, parle. Alléluia. Je t'écoute, Seigneur, parle-moi. Le Seigneur veut te parler. Alléluia. Bon Dieu veut parler, Bao. Toi qui es antillais, tu vois, compatriote. Bon Dieu veut parler, Bakeao. Bon Dieu veut révéler, Akeao. Il veut m'avoir en vision. Il veut te donner une vision, mes amis. Alléluia. Un travail à faire dans ces temps derniers. Un travail bien spécifique
à faire dans ces temps derniers et ce travail ne plaira pas au monde. Le travail que le Seigneur donne à l'Église ne va pas plaire au monde, mes amis. Je vous dis la vérité. Vous comprenez, frères et sœurs? Parce que c'est un travail, mes amis, qui est au-dessus de la pensée des hommes. Vous voyez? Et c'est la pensée de Yeshua. Sa parole est au-dessus des hommes, mes amis. Vous voyez? Parce que les hommes ne pensent pas comme le Seigneur. Les hommes ne pensent pas comme le Créateur. Les hommes pensent comme eux-mêmes. Ils pensent comme le diable aussi, parce que le diable donne des pensées aussi aux hommes. Et leurs pensées sont opposées à celles du Seigneur, opposées à celles du Créateur, mes amis. Alléluia! Je crois que ce message va enflammer des hommes et des femmes. Je crois que ce message va enflammer l'Église, parce que mon cœur bouillonne, mes amis. Mes entrailles bouillonnent. Et il faut que je parle. Il faut parler, mes amis. Alléluia. Il faut parler. Il faut annoncer la parole. Il faut annoncer la vérité. Il faut annoncer ce message. Alléluia. Qui brise des forteresses. Qui brise, je vous dis la vérité, qui brise tout enracinement de religiosité. Qui brise dans nos cœurs tout raisonnement, mes amis. L'évangile de Jésus. Waouh. Alléluia. Oh Seigneur mon roi. Oui, frères et sœurs. Nous sommes dans un temps, frères et sœurs, qui est grave. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de crier dehors la victoire de la Coupe du Monde. Voilà le message d'aujourd'hui, frères et sœurs. Voilà la pensée que Yeshua m'a donnée, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le tout-puissant, le vivant, le véritable, le fidèle. Vous voyez? Il est plus facile de crier dehors la victoire de la Coupe du Monde. Il est plus facile d'aller dans les trains, crier la victoire de la Coupe du Monde, se réjouir avec le monde, mes amis, par rapport à la Coupe du Monde. Vous me direz, est-ce un péché? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Laissez le message avancer, mes amis. Et vous comprendrez la pensée, frères et sœurs. Vous comprenez? Oui, frères et sœurs. Il est plus facile de descendre, d'aller dans les Champs-Élysées, d'aller dehors, d'aller dans ton quartier, ouvrir la fenêtre et crier la victoire de la Coupe du Monde. Prendre des trompettes, prendre des instruments et frapper victoire de la Coupe du Monde. Frapper la victoire de ton équipe, par exemple. Ce message, c'est pour tous les chrétiens du monde entier, parce que c'est la Coupe du Monde. Tous les chrétiens sont dans le monde entier. Oui, frères et sœurs. Alléluia. Je ne dis pas que c'est un péché de regarder un match de foot, de jouer au foot. Ce n'est pas un péché. Moi-même, j'étais footballeur, frères et sœurs. Donc, ce n'est pas un péché, mes amis. Comprenez, frères et sœurs? Mais il y a une pensée qui est derrière. Vous voyez, frères et sœurs? Voyez? Donc, il est plus facile de crier dehors. Voyez, frères et sœurs? D'aller dehors et de crier. On a gagné! Crier, mes amis, à plein gosier. Jusqu'à crier, se fatiguer, mes amis, pour crier quelque chose d'éphémère qu'on va oublier dans deux semaines, dans un mois, et que la vie va reprendre son cours, mes amis. Est-ce que vous comprenez un peu, frères et sœurs? Une joie éphémère, un cri qui va porter aucun fruit. Quel fruit que ce cri va porter, mes amis? Vous comprenez, frères et sœurs? Voyez? Qui a élevé la Coupe du Monde à un tel niveau, on pense que c'est un événement le plus glorieux, un événement le plus extraordinaire. La Coupe du Monde, mes amis, qui a dit ça? C'est les hommes. Est-ce que dans la Bible, Jésus a dit que c'était un événement extraordinaire, mes amis? Un événement salutaire, un événement qui va nous donner le salut. C'est pas ce qu'il a dit dans la parole. Il n'a pas parlé de Coupe du Monde, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Donc on voit par là que les hommes mettent plus d'importance dans ce qui est vanité. Plus d'importance dans ce qui passera. Les choses qui passeront, mes amis. Or, la Bible dit, le Seigneur dit clairement que tout, en fait, le ciel et la terre passeront. Le monde passera. Mais mes paroles ne passeront jamais. Les paroles de Yeshua, de Jésus-Christ, ne passeront jamais, mes amis. Oh Seigneur, ce frère, je parle la main. En fait, c'est terrible, frère, de passer à côté de cet évangile, frères et sœurs, de ce salut. Ce salut, frères et sœurs, glorieux. Ce salut, frères et sœurs, extraordinaire, mes amis. Le salut, la parole de vie. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Rien dans ce monde doit avoir plus d'importance que Jésus. Waouh. Alléluia. Rien, frères et sœurs. Il n'y a rien dans le monde qui doit dépasser Jésus, frères et sœurs. Rien dans le monde doit prendre la place de ton cœur, mes amis. C'est écrit dans la parole. Vous voyez, frères et sœurs?
d'aimer le Seigneur de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée, toute son âme. C'est Jésus qui doit être glorifié. Jésus qui doit prendre la première place dans ton cœur. Jésus, alléluia, et non la coupe du monde. Oui, frères et sœurs, on voit des chrétiens, frères et sœurs, aller crier dehors la coupe du monde. Aller ouvrir la fenêtre et crier avec le monde la coupe du monde. Je n'ai pas dit que c'était un péché. Attention, ce n'est pas un péché. Il faut bien comprendre le message. On arrive quelque part, mes amis. Voyez, frères et sœurs. Il est facile de crier dans les trains. On a gagné! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Voyez? Crier, taper, sauter. Prendre les gens que tu connais même pas dans les bras. Crier, oh, on a gagné! Wow, super! Tu envoies des messages sur le WhatsApp, sur les messages de tes collègues, de tes amis, même du monde que tu peux connaître, tes collègues, tout ça. Tu envoies des messages, on a gagné, on a gagné, waouh. Tu fais des audios partout à la famille, on a gagné, 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 mes amis. Gagné quoi? Toi, tu as gagné quoi, toi? Qu'est-ce que nous gagnons dans l'affaire, mes amis? Tu gagnes quoi, toi? Le salut? Des millions? La joie? Tu gagnes quoi dans l'affaire, mes amis? Oui, frères et sœurs. Alléluia. Mes amis. Une joie qui va, comment dire, passer au bout de 2-3 heures, 4-5 jours, une semaine. Regardez bien, c'est une joie qui va s'évaporer. Elle va s'évaporer, mes amis. Voyez? C'est une joie qui va s'évaporer. Voyez, frère? Elle va s'évaporer. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde, eh bien, s'évaporent. Il n'y a rien d'éternel ici, mes amis. Rien n'est éternel, je vous dis la vérité. Voyez, frères et sœurs, regardez par exemple le footballeur Cristiano Ronaldo, qui a été applaudi, adulé pendant des années, mes amis. Aimé par les hommes, aimé par les médias, aimé par tout le monde, mes amis. Et aujourd'hui, qui est insulté, frères et sœurs, maltraité, voyez, frères et sœurs, qu'on a réduit, voyez, à comment dire, à moins que rien. Voyez, frères et sœurs. Les mêmes qui l'ont élevé, c'est les mêmes qui sont en train de le descendre. Le même qui sont en train de le mettre sous terre, mes amis. Vous comprenez? Voyez, frères et sœurs. Voilà pourquoi la parole est claire. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. On ne peut pas se confier dans les choses de ce monde. Se confier dans les choses de la terre, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de durable. Rien d'éternel. Personne ne t'aime comme Yeshua. Personne ne t'aime comme Jésus, mes amis. Voyez, frères et sœurs. Et aujourd'hui, Cristiano, il est au bord certainement de la dépression parce qu'il a mis sa confiance dans ses fans, sa confiance dans le football. Le football est fini. Éphémère, vanité, mes amis. Tout est passager. Voyez, frères et sœurs. Voyez, il a des millions, il a tout ce qu'il veut comme bien matériel. Mais son cœur est touché, mon ami. Son cœur est blessé. Son cœur est meurtri, mes amis. Pourquoi? Le football était son Dieu, est son Dieu. Voyez, frères et sœurs. Mais le corps ne répond plus. Voyez, frères et sœurs, pourquoi? Tout n'est que vanité. Tout n'est que passager, mes amis. Voyez, frères et sœurs, quand bien même qu'il est riche, quand bien même qu'il est élevé, tout ce qu'il veut, mon ami, son âme là, son âme a besoin de Jésus. Son âme a besoin de la paix. Au point où il va pleurer. Voyez, frères, pleurer. Parce qu'il a tout mis, toute sa vie a été bâtie sur le football et non sur le fondement véritable et non sur Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. La souffrance, voyez, nous sommes dans un monde où il y a la souffrance, dans un monde où tous les hommes souffrent, où tous les hommes qui n'ont pas Jésus n'ont pas d'espérance et pensent que tout s'arrête sur la terre, que la vie s'arrête à la coupe du monde, mes amis. Un trophée fait de fer, de matériaux, mes amis, c'est terrible, mes amis. Oui, frères et sœurs. Et combien de chrétiens vont se réjouir avec la coupe du monde? Oh, la coupe du monde! Oh, la coupe du monde! Voyez, frères et sœurs. Alors, voyez le titre. Il est plus facile de crier dehors la victoire de la coupe du monde que de crier la victoire de Jésus. Voilà où le Seigneur veut nous interpeller, mes amis. Il est facile de se mélanger avec les inconvertis. Voyez, parce que tout le monde pense pareil, tout le monde agit pareil. Donc, tu ne seras pas dérangé de crier avec eux parce qu'ils aiment aussi ça. Vous comprenez? Mais crier la victoire de Jésus, mes amis, c'est là où ça coince.
C'est là où ça coince dans notre chrétienté, frères et sœurs. C'est là où le Seigneur est attristé. Pourquoi? Parce qu'il voit ses enfants, son peuple, plus attachés au monde, attachés au dire des hommes, attachés à ce que les gens vont penser d'eux, penser de leur foi, penser de la manière dont ils font l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, frère? Et ils vont traficoter l'œuvre du Seigneur pour arranger le monde, pour arranger la terre, pour arranger s'arranger au regard des hommes. Mes amis, c'est terrible. Vous voyez, frères et sœurs, on voit très peu ou quasiment pas de chrétiens ouvrir leur fenêtre et crier Jésus dehors, mes amis. Prendre des tambourins et chanter pour Jésus dehors. Vous voyez, frères et sœurs, très peu de chrétiens dans les trains prêcher Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible. C'est scandaleux même, je dirais même. Un si grand salut, un si grand prix, payé par le roi, payé par le Machia, mes amis, pour nous sauver de l'enfer, pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la colère qui arrive, la colère à venir. Les bouches sont fermées, mes amis. Les bouches sont fermées. Mais la Coupe du Monde arrive. Wow! On voit tout le monde onctionné pour la Coupe du Monde. Rempli d'un feu de Coupe du Monde. Vous voyez, frères et sœurs, c'est scandaleux, mes amis. C'est scandaleux. C'est une insulte, je dirais même, pour le roi, frères et sœurs. Et après le dimanche, on va lever la main à l'église. Lever la main au ciel. Oh, alléluia! Oh mon Jésus, oh mon Dieu, oh mon... Non mon ami, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça la foi véritable, mes amis. Là où le Seigneur t'attend, tu n'y es pas. Là où il te veut, tu n'y es pas. Pourquoi? La honte. La honte. Beaucoup ont honte de l'évangile, honte de Jésus, honte de prêcher Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, il est facile de crier la Coupe du Monde, facile de crier... La France a gagné, la Belgique a gagné, je ne sais pas dans quel pays que tu es. Facile de crier le nom de ton pays, mon ami. Mais quand il s'agit d'ouvrir ta fenêtre et annoncer l'évangile pour le salut des hommes, annoncer la victoire de Jésus sur la mort, la victoire de Jésus sur le péché, l'avènement de Jésus, son retour imminent. Frère, beaucoup ne sont pas à leur poste. Les chrétiens ne sont pas à leur poste. Bref, frères et sœurs, c'est quelle gravité, mes amis, c'est grave. Bref, frères et sœurs, crier la victoire de Jésus, c'est devenu, aux yeux de beaucoup de chrétiens, un travail, comment dire, de misère, un travail qui n'arrange pas, un travail c'est trop insultant, c'est... Ça touche à mon image, vous voyez? Mon image est trop touchée là. Je ne peux pas crier Jésus dehors. Je ne peux pas crier la victoire de Jésus dehors. Ça touche à mon intégrité. Ça touche à ma personne. Donc je ne peux pas en fait. Vous voyez? Je ne peux pas parce que le monde va me détester. Le monde va me haïr. Mon ami, tu seras rejeté de Jésus. C'est ça que beaucoup ne réalisent pas. Ils seront désapprouvés du roi, mes amis. Je vous dis la vérité. Désapprouvés du roi. Mes amis, oh Seigneur Yeshua, voyez frères et sœurs, les trains sont vides de voix, comment dire, de chrétiens qui parlent de Jésus, qui crient Jésus, qui annoncent Jésus. Les bus sont vides de voix, vides de prédication. Les avions pareils, les bateaux pareils. En fait, le chrétien a démissionné, mes amis. En vérité, il se passe quoi dans notre temps là? Il y a une conformisation au siècle présent, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, notre chrétienté a conformé la parole, a conformé l'évangile au siècle présent. Mes amis, c'est grave. Oh Seigneur, frère, je vous dis la vérité, le cœur du Seigneur pleure, mes amis. Le cœur de Yeshua, il pleure. Son cœur pleure, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il voit l'état de l'église, il voit l'état des chrétiens, il voit l'état de la chrétienté, frères et sœurs, la religion.
comme on a pu poster sur nos réseaux hier, voilà, que si le Seigneur venait physiquement dans notre génération, frères et sœurs, eh bien, beaucoup l'auraient rejeté, beaucoup l'auraient craché au visage, comme l'ont fait les pharisiens. Parce que Yeshua aurait pris des fouets et aurait fouetté, mes amis, beaucoup de chrétiens. Aurait cassé tous ces systèmes d'église. Il serait rentré avec des fouets, il aurait tout cassé. Mais je vous dis, on aurait dit c'est un démon. On aurait dit c'est un rebelle, c'est un orgueilleux, c'est un démon. Hein, c'est un démon. Je vous dis la vérité. Comme il a fait à son époque, il a pris un fouet, il a tout cassé, mes amis. Parce que ben, ils ont fait de la maison de son père une maison de business, une maison de sexe, une maison de péché, une maison une maison de péché, mes amis. Une maison, voilà, des lieux de rencontre, des lieux où ça couche, des lieux où il y a l'argent, où il y a des lieux où c'est le monde, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez, frères et sœurs? C'est grave. Oh Seigneur Yeshua. Jésus. Vous voyez, frères et sœurs? Très peu crient victoire de Jésus dehors. Très peu prennent leur téléphone pour annoncer Jésus à leur famille. Parce que tu as été beaucoup sont premiers à faire des audios. On a gagné partout, partout. Mais quand est-ce que tu vas faire des audios pour annoncer Jésus a gagné? Que Jésus a vaincu la mort. Que Jésus a vaincu pour toi pour que tu sois sauvé. Très peu, mais même à leur famille, très peu annoncent l'évangile, mes amis. Très peu. De peur d'être rejeté par leur famille, mon ami. Il fut un temps, le Seigneur a permis que je sois rejeté par ma famille, où j'ai été incompris, où j'ai été mis au rang d'un fou, par exemple. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la lumière qui est en train de rentrer dans ma famille, mes amis. Les yeux sont en train de s'ouvrir, mes amis. Je vous dis la vérité. Ah oui, voilà pourquoi il ne faut pas mettre l'évangile de côté, mes amis, pour plaire à ta famille, pour ne pas être rejeté. Vaut mieux rester seul pour un temps, voyez, mais que ton temps de retrait, ton temps de solitude, ton temps où tu as pleuré, où tu gémis pour ta famille, que ce temps puisse, mes amis, porter du fruit, mes amis. Car la parole dit, celui qui demeure en lui porte du fruit, mes amis. Je vous dis la vérité, aujourd'hui c'est le salut qui rentre dans ma famille. Ma famille qui commence à, je vous dis, c'est le feu, je vous dis la vérité. La délivrance, alléluia. Frère, et c'est ma joie aujourd'hui. Voilà pourquoi le prix à payer, mes amis, frères et sœurs, eh ben, c'est le rejet, les insultes, les moqueries. Tu passeras pour un fou, tu passeras pour un moins que rien. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à, comment dire, accepter cela. Vous voyez, frères et sœurs, accepter qu'on les prenne pour des moins que rien. Accepter qu'on dise qu'ils sont fous. Vous voyez, accepter qu'on leur dise des paroles moqueuses. Vous comprenez, frères et sœurs? Oh, on ne veut pas crier dehors parce que je ne veux pas crier parce que c'est compliqué. Hein. Mon image, là, on va dire que je suis un fou. Mon ami, il vaut mieux paraître fou devant les hommes et être approuvé du roi des rois. Être aimé du roi des rois. Que l'esprit puisse te dire, celui-ci est ma fille, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, où j'ai mis mon plaisir, où j'ai mon plaisir. Vous comprenez, frères et sœurs? Où je prends plaisir. Est-ce que le Seigneur peut dire de toi, de moi, de nous, qu'il prend plaisir en toi ou en moi? Est-ce que le Seigneur peut dire ça, mes amis? As-tu honte de lui? Vous voyez, frères et sœurs? Hein? As-tu honte de Jésus? Au point où tu ne cries jamais Jésus. Au point où tu ne cries jamais victoire de Jésus. Vous voyez, frères et sœurs? Mais tu es facile d'annoncer la coupe du monde. Crier la victoire de ton équipe. L'équipe de ton pays, l'équipe de ta ville, je ne sais pas moi. Vous voyez, frères et sœurs? Crier victoire de la coupe du monde. Combien de chrétiens, j'en suis sûr, sont partis sur les Champs-Élysées? Combien partiront sur les Champs-Élysées? Crier. Mon équipe a gagné. Parce qu'on se fond dans la masse. La pensée du monde, la pensée unique. Tout le monde fait pareil, donc c'est normal. Mais va à contre-courant, mon ami. Va à contre-courant. Tu seras un sujet, je te dis la vérité, un sujet aux yeux des hommes de moquerie. Un sujet de raillerie.
un sujet, je te dis la vérité, tu seras haï de tous, mes amis. Pourquoi? Parce que tu marcheras selon la parole de l'évangile, selon le Saint-Esprit. Car la parole dit que, on va prendre les versets tout à l'heure, rassurez-vous, on va prendre les versets tout à l'heure. Voyez, nous sommes comme le vent, nous dit la parole dans Jean. Tout homme qui est né d'en haut, né de nouveau, eh bien, il devient comme le vent, il est comme le vent. On ne sait où il va, voyez. Parce que le vent, ben, on ne sait pas où il va, il va à gauche, il va devant. Donc tu seras incompris en tant que chrétien, parce que tu seras comme le vent. Toute œuvre que le Seigneur va te demander de faire ne sera pas comprise des hommes. Je te dis la vérité, si tu es compris des hommes, c'est que tu t'es conformisé. Si tout le monde t'acclame, c'est que tu es conformisé. Cherche pas midi 14h, c'est que tu es conformisé. Oui, frères et sœurs, mes amis, tu t'es conformisé. Si tout le monde t'aime, c'est que tu es conformisé. Tu vois, le monde t'accepte, tu es conformisé. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde n'aime pas ce qui n'est pas à lui, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Mes amis, oh Seigneur Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, frères et sœurs? Waouh! Oh, la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Comment les hommes et les femmes de ce monde seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui ne prêche? On a partagé récemment sur nos réseaux une femme des policiers qui criait, frère, l'évangile. Vous voyez, le Seigneur, il voit ce qu'il va? Il va prendre des policiers, frère et soeur, des policiers pour crier, des policiers pour annoncer la croix, pour annoncer la repentance, des policiers, mes amis. Beaucoup diront, oh non, mais c'est mon travail. Il ne faut pas que je prêche parce que c'est mon travail. Ah, si je prêche là, Jésus me demande de parler, mais ah, on va me virer peut-être parce que j'ai des enfants à nourrir, hein. J'ai un foyer, j'ai des crédits, j'ai des factures à payer. Si on me vire là, ce n'est pas Jésus qui va descendre du ciel pour me donner à manger. Voilà le raisonnement des religieux, des chrétiens légers, mes amis, des chrétiens froids, refroidis. Oh frère, ça fait mal au cœur, frère, je vous dis. Ah, ça fait mal au cœur, mes amis, je vous dis la vérité. Ouais, frère et soeur, je vous dis la vérité. C'est terrible, frère. Voilà le cri du Seigneur pour l'Église. Voilà le cri du Seigneur pour son peuple, mes amis. Il crie de revenir à son poste, de revenir à l'évangile véritable. Alléluia. De peur d'être jugé avec le monde, avec le système, avec cette génération, mes amis. Il faut en sortir. Oui, frères et sœurs. Oh, mes amis. Voyez, voilà l'état de chrétien. Voilà l'état de notre chrétienté, mes amis. On peut crier la coupe du monde facilement, même par les fenêtres de voiture. Tu roules sur la route, tu baisses ta fenêtre de voiture et tu cries, on a gagné. Tu mets les drapeaux, tout ça. Mais mets un drapeau de Jésus sur ta voiture. Ah, tu ne le feras pas, pourquoi? Mais tu as peur peut-être, tu as peur de... Ah, faut pas qu'on me remarque. Faut pas qu'on sache que je suis chrétien, faut faire attention. Ah, faut faire attention à la persécution. Voilà comment des chrétiens veulent fuir la persécution, mes amis. Fuir les combats liés par rapport à la foi, la peur, mes amis. Frère, voilà l'état de notre chrétienté, frère. Il y a beaucoup de chrétiens, depuis que je me suis converti, ça fait 12 ans, par la grâce du Seigneur, que je suis en Yeshua de Nazareth, dans le royaume du Seigneur, en Yeshua, dans le royaume. Alléluia, c'est ça le message de l'évangile. Nous sommes dans le royaume, transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, frères et sœurs. Combien de chrétiens que j'ai pu rencontrer me disant, oh, c'est pas comme ça faut faire. C'est pas comme ça. Ah, c'est pas la bonne manière. Je parle un peu comme ça pour voir un peu la folie de tous ces chrétiens, mes amis, de la plupart de ces chrétiens. Oh, c'est pas comme ça. Quand c'est comme ça, je leur dis, mais montre-moi comment on va faire. Montre-moi. Vas-y, ben, tu montre-moi. Faut faire comment? Quand tu regardes bien, c'est ceux qui vont te dire ça là qui ne font rien, mes amis. Qui sont conformisés. Qui sont refroidis. Et ils veulent te transmettre leur tiédeur. Te transmettre leur refroidissement. Te transmettre leur conformisation, mes amis. J'ai jamais écouté ces personnes.
Pourquoi? Parce que il faut faire selon le modèle, selon ce que la parole enseigne, mes amis. Là, depuis toutes ces années, par la grâce du Seigneur, on voit que en faisant comme la parole enseigne des choses, le Seigneur touche les âmes. Le Seigneur est dans sa parole, il n'est pas hors de sa parole, il est dans sa parole. On voit les âmes délivrées, les âmes qui se convertissent, revenons à l'évangile. Faisons comme la parole enseigne les choses. Voyez, vivons comme la parole enseigne de vivre. Voyez, frères et sœurs, et ainsi nous vivrons la gloire du Seigneur. Ainsi nous expérimenterons la puissance de Yeshua, mes amis. Voyez, frères et sœurs, on est parti en Belgique annoncer l'évangile, frères et sœurs. Il y a des policiers qui sont venus au début nous dire, oh non, faut pas tout ça, etc. Frère, on a continué à crier. Eux-mêmes, ils ont laissé. Ils ont laissé tout ça et on a continué à crier partout, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. On a crié, on a partagé l'évangile et on est rentré en France, on est revenu à Paris. Oui, frères et sœurs. Ils sont venus peut-être deux, trois fois. Deux, trois fois, la dernière fois, ils sont venus. Et suite, boum, on a dit, bon, c'est bon, on rentre à Paris là. Donc, du coup, on est rentré à Paris. Oui, frères et sœurs, mais on a annoncé la parole. On n'a pas dit, oh, mais comme la police, tout ça. Oh, oh non, mes amis, la parole dit quoi, frère? D'annoncer la parole, mes amis. Oui, frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui vont chercher des autorisations. Ah, il faut que je demande une autorisation pour qu'on me donne le droit. Mon ami, tu vas attendre 10 ans pour ton autorisation et les âmes vont mourir. Tu vas attendre 20 ans, 30 ans et les âmes vont mourir. Beaucoup de chrétiens vont mélanger la parole pour, comment dire, asseoir leurs idées, asseoir leurs pensées. Ils vont dire, ah non, on attend l'autorisation. Voilà, l'autorisation. Ils vont dire, mais il faut être soumis aux autorités, tout ça, dans, comme le dit Romains 13, être soumis aux autorités alors que ça n'a rien à voir, mes amis. Là, on ne parle pas de, il faut attendre l'autorisation de l'État pour parler de Jésus, ça n'a rien à voir. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils vont... Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais je suis convaincu. Si quelqu'un sur le chat et que on t'a déjà expérimenté ça, on t'a déjà dit ça, tu peux l'écrire. Je suis convaincu. Soyez soumis aux autorités. Voilà comment on peut sortir des versets hors de son contexte pour se conforter dans sa tiédeur, mes amis. Il y en a, ils vont demander des autorisations sur 30 ans, 20 ans pour qu'on leur donne le droit de prêcher Jésus, mes amis. Mais tu vas avoir l'autorisation à quel moment, mes amis, ici? Vous voyez? Je ne dis pas qu'il faut aller prendre des endroits, des lieux et mettre des estrades, tout ça. Et je ne sais pas ce que je dis, attention. Mais je parle du côté où le Seigneur te saisit, te dit de parler, tu parles. Tu annonces son évangile. On te chasse, mais tu vas ailleurs, tu vas dans une autre ville. Tu annonces l'évangile. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais nous devons agir selon la parole de Yéhoshua de Nazareth, mes amis. Oui, frères et sœurs, mes amis. Alléluia! Waouh! Voyez? Et ce qui est plus grave, merci Seigneur, c'est que il y a des chrétiens, frères et sœurs, ils vont dire, oh non, c'est pas mon appel, c'est pas ma grâce ça, de crier. Mais bizarrement, quand l'équipe de France gagne, quand leur pays vont gagner, ils vont pas dire, ah, c'est pas ma grâce de crier, la Coupe du Monde a gagné. Est-ce que vous comprenez, mes amis, ce soir, ce message? Mes amis, c'est puissant, mes amis. Oh, le Seigneur Yeshua, alléluia. Oui, frères et sœurs, quand leur équipe va gagner, ils vont crier à plein gosier. Et là, bizarrement, on ne dit pas que non, c'est réservé seulement à eux de crier. Et non, moi, non, ce n'est pas mon appel de crier, ce n'est pas ma grâce de crier la Coupe du Monde. Frère, ils vont crier quand même, de manière spontanée, de manière irréfléchie. Ils vont exprimer leur contentement et ils vont crier. Wouah! Wouah! Ils vont sauter dans les bras des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ils vont crier, se prendre les mains sur les mains, crier ensemble. Oh, alléluia! Enfin, alléluia, mais ils vont crier, oh, nada, ils vont même dire alléluia, même s'il faut. Même. Ils vont même prier Jésus pour que Jésus fasse gagner leur équipe. Comme si Jésus était dans tout ça, mes amis. Vous voyez, il y a des prières là. Il y a des prières là, mes amis. Le Seigneur n'est pas là-dedans, mes amis. Là. Vous comprenez, frères et sœurs? Tu vois des gens prier des fois dans les stades, ça prie, tout ça. Mon ami, mes amis, Yeshua de Nazareth, il n'est pas dans nos affaires souvent là, mes amis. Là. Mes frères et sœurs, on doit prier pour les âmes. On doit prier pour le salut des âmes. Voilà la prière que nous devons faire, mes amis.
Voyez, oui, frères et sœurs, priez pour que nos familles soient sauvées. Priez que l'évangile se répande. Voilà, j'ai une parenthèse. Cette hypocrisie de souvent, tous les sports, beaucoup de sportifs, avant d'entrer sur le terrain, ils lèvent la main au ciel, tout ça. Ils regardent là-haut, dans le ciel, tout ça. Et ça fume, des fois, ça dit. Tu vois, des fois, ça insulte l'arbitre. Ça dit, ça insulte les joueurs, ça se fait bagarrer. C'est tatoué de partout, mes amis. Le mélange. Oui, frères et sœurs. Et on veut lever la tête au ciel. On fait comme si quand on marque le but, on remet au Seigneur Jésus. Frère, dans le ciel, là, il n'y a pas que Jésus. Hein. Vous direz, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte le frère? Non, attention. Il y a trois ciels, nous dit la parole. Il y a trois ciels. Il y a le ciel atmosphérique, l'espace et le royaume des cieux, mes amis. Là où le Seigneur habite. Donc, en fait, dans le ciel, là, il y a les démons aussi. Le ciel, là, quand tu vois de tes yeux, là, il y a les démons. Donc, quand les gens lèvent la tête au ciel, là, c'est pas Jésus qui forcément qui regarde, mes amis. Hein. Ah oui! Je vous dis la vérité. Ah oui, mes amis. Parce que la Bible nous parle de la puissance des démons qui sont dans l'air, la puissance de l'air. Vous voyez, ils sont là-haut, là, ils sont partout, mes amis. Le ciel qu'on voit là de nos yeux, le ciel atmosphérique, le ciel où il y a l'espace, tout ça. Mes amis, il y a un monde, il y a des mondes spirituels. Vous comprenez, frères et sœurs? Bien comprendre le message. Alléluia. Vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'on soit dupé, qu'on voit des chrétiens, enfin des gens qui se disent chrétiens plutôt, ou même ceux qui se disent croyants, lever la tête au ciel. Frère, et leur vie là, c'est la débauche, le péché. Mes amis, c'est quel? C'est pas Jésus ça, mes amis. C'est pas Jésus. Oui, frères et sœurs. La confusion totale. Vous voyez, frères et sœurs? Une apparence d'humilité. On paraît humble, on paraît croyant. Allez voir sur les réseaux de toutes ces personnes, mes amis. Le chaos. Allez voir leur corps. Tatouage de partout, mes amis. Des têtes de démons. Des femmes nues. Le péché, mes amis. C'est la confusion. Oui, frères et sœurs. Voyez. Donc, il est facile pour beaucoup de chrétiens de crier la Coupe du Monde. Mais crier Jésus, crier que Jésus est mort pour nos péchés, crier que Jésus est ressuscité et qu'il a vaincu la mort, frères et sœurs, je vous dis, c'est un silence. Parce que là, il ne faut pas se faire remarquer. Il ne faut pas qu'on nous remarque. Il ne faut pas que... Ah non, mais à cause de toi, là, à cause de ce cri, là, enfin, mon ami... Je vous dis la vérité, c'est terrible, mes amis. Oh, Seigneur Yeshua. Vous voyez, frères et sœurs? Et on va dire, non, c'est pas moi, ça. Le Seigneur demande à beaucoup de chrétiens, de crier à beaucoup. Mais ils vont dire, non, c'est pas mon appel, Seigneur. Mais le Seigneur te dit, quand c'est la Coupe du Monde, là, tu dis pas, c'est pas ton appel, ça, de pas crier. T'as pas crié pour la Coupe du Monde quand ton pays a gagné? Ouais! T'as fait ta fenêtre, t'as crié par ta fenêtre. Ouais! Mon ami, je vous dis, hein, le ciel là, il y aura très peu partiront à l'enlèvement. Je vous dis la vérité, très peu partiront à l'enlèvement. Très peu partiront au ciel. Très peu vivront la gloire du Seigneur. Très peu seront récompensés par le Seigneur. Par rapport à la vision qu'ils ont reçue, par rapport à l'appel qu'ils ont reçu, beaucoup ont changé la vision qu'ils ont reçue, ont changé l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur, mes amis. Ils n'ont pas fait selon le modèle que le Seigneur leur a donné. Vous voyez, frères et sœurs, pour plaire aux hommes, pour plaire au monde, pour plaire aux gens de leur famille, pour plaire à cette génération. Mes amis, si je vous dis la vérité, si les prophètes Jean-Baptiste, prophète Élie, Paul, Pierre, qui sont sur la grâce aussi, qui étaient sur la grâce, voilà, vous avez compris, frères et sœurs, je vous dis la vérité, s'ils venaient dans notre génération là, ça allait être compliqué. Hein. Si ces hommes là venaient dans notre génération, mes amis, je vous dis la vérité, on les aurait, ça aurait été terrible. Hein. Je vois mal Paul, mal Jean-Baptiste, mal Philippe, mal Étienne, frères et sœurs, ne pas parler dans cette génération, mes amis. Je les vois mal rester 20 ans enfermés dans une église pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans et ne pas aller faire l'œuvre que le Seigneur leur demande de faire, répondre à l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur. Étienne est parti, on l'a tué.
Jean-Baptiste, pareil. Frère, je vous dis, l'évangile là, c'est... En fait, tu seras rejeté. Tu peux même être tué. Je vous dis, c'est terrible l'évangile, mes amis. L'évangile, c'est terrible, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? L'évangile là, c'est terrible. Vous voyez, Paul, dans notre génération, frères et sœurs, enfermés dans la religion, enfermés, frère, ça allait tout casser. Il allait tout casser là-dedans, mes amis. Il allait dénoncer tous ces principes, ces principes humains, ces traditions d'hommes, ces fonctionnements d'hommes. Vous voyez, frère, cette religiosité qu'on voit dans notre chrétienté, frères et sœurs, mais c'est grave. Vous voyez, frères et sœurs, tous les dimanches, les églises sont remplies. Corona était passé, c'était vidé. Le Seigneur veut nous parler pour qu'on puisse revenir à ses pieds et comprendre l'œuvre qu'il nous demande de faire. Vous voyez, frères et sœurs? Non, beaucoup ont dit non, c'est le jugement du... Le diable a fermé les églises. Comment le diable peut fermer ce qui est au Seigneur? Je vous dis, c'est parce que ce n'est pas au Seigneur ces bâtiments-là. C'est pas au Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Comment le diable peut fermer ce qui est au Seigneur? Vous voyez, frères et sœurs? Alors que nous sommes libres, alors que nous sommes comme le vent. Comment le diable peut fermer le vent? Donc on voit bien par là qu'il y avait un problème. Le Seigneur voulait pointer par là un problème dans notre génération par rapport à la religion. On le voit quand on est passé, ben, tout le monde est reparti dans les bâtiments. Je vous dis, là, beaucoup de chrétiens, ils sont repartis dans les bâtiments. Alors que le Seigneur veut nous parler pour la mission, nous parler pour aller dehors, nous parler pour revenir à l'église primitive. Vous voyez, frères et sœurs? Mais combien ont saisi? Combien ont saisi? Combien ont attendu que ce vent de coronavirus puisse passer pour retourner dans les bâtiments? Mais ce qui va arriver après là, vous allez voir. Beaucoup, le Seigneur voulait préparer beaucoup de ses enfants. Beaucoup, en fait, il voulait préparer beaucoup de son peuple, comment dire, à s'enraciner de plus en plus en lui par rapport à ce qui arrive demain. Je vous dis la vérité, un temps viendra où tu ne pourras plus aller à l'église. Je vous dis, Corona, c'est un début de ce qui va arriver après. Bientôt, il n'y aura plus de rassemblement public, église, tout ça, bâtiment. Mon ami, ça va être, il y aura des choses qui vont être mises en place et que, en fait, beaucoup de chrétiens vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus se rassembler comme ça dans les églises. Allez voir, la persécution. Donc toi qui n'as pas été préparé dans l'intimité, toi qui n'as pas été préparé à t'enraciner dans le Seigneur, à vivre à la voix du Seigneur, tu ne tiendras pas, mon ami. Tu vas te conformiser. Beaucoup vont se conformiser. Vous allez voir ça, frères et sœurs. Ils n'ont pas été préparés avec le Seigneur dans l'intimité. Ils ont été attachés aux hommes, attachés à l'église, attachés aux pasteurs, attachés aux prophètes, attachés à la religion, à l'homme de Dieu. Voilà ce qu'aujourd'hui la chrétienté, mes amis. Voilà pourquoi beaucoup ne tiendront pas. Parce que, ben, ils font ce que l'homme dit de faire. Mais il ne faut pas ce que l'esprit leur enseigne de faire, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà l'état de l'église, mes amis. Voilà pourquoi il y a très peu de chrétiens, tu vois, qui vont faire l'œuvre du Seigneur. Il y en a très peu. Je vous dis la vérité. Et quand nous voyons des femmes, policières crier, des Anglais, on voit aussi des Australiens qui vont crier dehors, frère, on se dit, non. L'Esprit du Seigneur n'est pas mort, mes amis. Car sa parole dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, mes amis. On n'a pas dit qu'il va répandre son esprit et qu'on va s'enfermer tous les jours dans les bâtiments. Tous les jours, s'enfermer. Prier sans cesse. Et ne rien faire avec la prière, comme on a pu lire dans un livre, là, terrible. La prière est mêlée à l'action. Tu ne peux pas prier et demain et t'agis pas demain. C'est une flèche envoyée dans le vent. Oui, frères et sœurs. Vous me direz, mais oui, j'attends le feu vert du Seigneur. Mon ami, ça fait 40 ans que tu es converti. Ça fait des siècles que tu es converti, mon ami. Et tu attends toujours le feu vert du Seigneur. Tu penses qu'il ne t'a pas parlé entre temps, il ne t'a pas secoué. Mais beaucoup ont choisi, comment dire, à la communauté chrétienne, ma communauté. Oh, ma communauté, mes amis. Voilà aujourd'hui la chrétienté. Voilà aujourd'hui l'état de beaucoup de chrétiens, mes amis. Oui, frères et sœurs. Mes amis. Oui, frères et sœurs.
Et beaucoup de chrétiens vont dire, non, mais ce n'est pas le temps de crier. Faut pas crier. Faut pas crier. Voilà, c'est plus l'appel d'un tel ou la grâce de telle sœur. C'est plus son truc de crier, de pas crier. Vous savez, en fait, mon ami, tu es en train de te chercher des raisons. Parce que tu ne veux pas faire ce qu'il te demande de faire, comme Jonas, le poisson l'a avalé. Hein. Mais il est revenu à la vie. Mais toi là, est-ce que tu vas revenir à la vie? Parce que la parole dit qu'on ne peut pas occuper la terre inutilement. Ah non, c'est compliqué mes amis. Oui frères et sœurs, on va prendre Proverbe 1 verset 20. Frère, ça m'encourage ce partage, ça m'encourage. Si la parole est véritable. Proverbe 1 verset 20. La sagesse crie bien haut au dehors. Elle donne de sa voix sur les places. Stupide, jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Et les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez à ma réprimande. Voici, je verserai sur vous mon esprit. Vous voyez, le Seigneur veut verser sur nous son esprit. Parce que si toi, tu n'y vas pas, il va aller chercher des pierres. Les pierres, la parole est claire, hein? Les pierres crieront. Mes frères et sœurs, il va aller chercher des prostituées. Oui, frères et sœurs, des drogués, des hommes et des femmes qui n'avaient aucun objectif, aucune vision, aucune. Voilà, ils étaient rejetés du monde. Et c'est là que le Seigneur va les chercher. C'est là que le Seigneur va aller faire ses courses. Vous croyez que nous autres, nous sommes qui? Toi qui m'entends, tu penses que tu es qui? Nous faisons partie de ces personnes. Nous faisons partie des impies, des adultères, des menteurs, des alcooliques, des pervers, tout ce que tu veux. Eh bien, il nous a lavé aujourd'hui, il nous a purifié et continue de nous purifier. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous allons. Ne croyez pas que. En fait, il cherche, en fait, le Seigneur cherche dans le monde. Vous voyez? En fait, il sauve les hommes et ses femmes, ses enfants, il nous sauve pour nous purifier et nous envoyer, frères et sœurs. Vous comprenez? Et nous étions de ces personnes. Vous voyez, frères et sœurs? De ces derniers. Par rapport à beaucoup de chrétiens qui ont été disqualifiés, qui ont été désapprouvés. Vous voyez, frères et sœurs, nous ne connaissons pas qui ou quoi, mais on a vécu dans le péché, dans le monde, et le Seigneur, ben, il est parti chercher des gens comme vous et moi pour nous purifier, nous sauver et nous envoyer dans sa moisson. Nous sommes qui par rapport à qui d'autre? Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais nous étions des prostituées, nous étions des voleurs, des impies, des menteurs, de tout ce que tu veux. Eux, aujourd'hui, il nous demande de parler de sa part, mes amis. D'ouvrir la bouche et il nous donne des paroles pour les nations. Les paroles pour le salut des hommes. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Oh, mes amis. Waouh. Il donne des paroles, les messages pour son peuple. En fait, toute œuvre, toute vision, tout appel que le Seigneur va te donner aura forcément un rapport avec l'évangélisation, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, l'évangélisation n'est pas réservée à une catégorie de personnes, c'est pour l'Église. Alléluia. Et tout à l'heure, on a vu dans Proverbe 1, verset 20, la sagesse crie bien au dehors. On a bien dit, hein? La sagesse crie bien au dehors. On n'a pas dit une catégorie de personnes, oh, ça c'est seulement être pour telle personne. Non, on parle de. Là, on parle de la sagesse. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? La sagesse crie bien au dehors. Et la sagesse véritable, c'est le Seigneur, mes amis. Donc, le Seigneur crie bien au dehors. Alléluia! Vous voyez, frères et sœurs? Elle donne de sa voix sur les places, mes amis. C'est là où il y a les âmes. C'est là où il y a le monde. Et c'est là où il y a les inconvertis. En fait, là, on parle ici du monde, en fait, en vérité. Parce que le salut, le Seigneur le donne pour les hommes, pour le monde, les nations. Vous voyez, frères et sœurs, mes amis, vous voyez, frères et sœurs, et beaucoup diront, mais oui, c'était l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, mes amis, oui. Mais quand on prend Matthieu 28, verset 19, ou Matthieu 22, verset 9, plutôt, allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Donc, on voit par là que la parole du Seigneur ne se contredit pas, mes amis. Tout est dans la parole véritable.
voyez, frères et sœurs, il n'y a aucun verset qu'on peut prendre hors de son contexte. Il faut prendre toute la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible dit. Et si on reprend Matthieu 28, il dit « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. » Voilà, vous voyez. Et si on prend Ésaïe 58 aussi, verset 1, la parole dit « Crie à plein gosier !» Il n'a pas dit « Crie à plein gosier pour la Coupe du Monde. »« Crie à plein gosier parce qu'il y a une Coupe du Monde. » Il n'a pas dit ça. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, » il dit. Donc on voit par là que même dans l'Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, le Testament de Jésus, on voit par là que c'est la parole ne se contredit pas. On ne dit pas dans l'Ancienne Alliance, c'est réservé parce que ce peuple-là connaissait Dieu, ils étaient plus appropriés, parce que ça, c'est des choses que des chrétiens disent souvent. Oh oui, mais c'était plus un peuple qui était prêt, qui connaissait les choses de Dieu, la Torah, la loi, tout ça. Mes amis, non. Parce que dans Matthieu 22, dans Matthieu 28, on voit par là que on dit d'aller dans les rues, pareil. Dans les rues, là, c'est des païens qui a les inconvertis, des pécheurs, des prostituées, des hommes et des femmes qui sont sur le chemin de l'enfer et qui ont besoin de la grâce. Et le Seigneur nous dit quoi? D'aller les appeler. Oui, frères et sœurs. D'aller leur prêcher les noces, leur prêcher le royaume des cieux, leur prêcher que le royaume des cieux est proche, qu'ils doivent se repentir, mes amis. Frère, il ne faut pas que nous diluions l'évangile, frères et sœurs. En fait, les hommes ne seront pas sauvés si nous prêchons un évangile que nous-mêmes avons mis en place. Comme en Belgique, on a pu parler des témoins de Jéhovah. Quand on les a prêché la parole, on leur a dit que Jésus a dit, la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc si on ne parle pas, comment ils vont entendre? Frère, on a donné des versets où on dit que Jésus c'est Dieu, c'est le sauveur. Vous voyez, frère et sœur? Vous voyez, frère et sœur? Terrible, mes amis. Vous voyez, frère et sœur? Donc si on ne fait pas attention, frère et sœur, on va se refroidir, on va fermer la bouche à cause de la pression de ce monde, à cause des paroles de ce monde, à cause de tout ce que tu vas entendre. Tu peux fermer la bouche et faire un travail, comment dire, selon toi, selon ce que le monde aime. Un amour, un soi-disant amour, mais un amour diabolique, un amour mondain. Oui, frères et sœurs, mes amis. Oui, frères et sœurs. Et dans Matthieu 28, il dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit d'aller créer la Coupe du Monde. Non, 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 non. C'est pas ce qu'il a dit. Et dans Ésaïe 58, il dit quoi, Ésaïe 58 encore? Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un chauffard, mes amis. Comme un chauffard. Vous voyez, frères et sœurs, il ne dit pas de prendre chauffard. Parce qu'il y a des chrétiens, là, ils prennent des chauffards, des cornes là, pour les crier, pour souffler là-dedans. Il y a des chrétiens, j'ai vu comme ça un jour. Je me dis, ce n'est pas ce que le Seigneur demande de faire. Vous voyez, frère? Ça, c'est passé pour un. C'est la folie, ça. Frère, c'est pas. Il faut faire attention. Là, on parle de la voix, de parler. Et là, il y a des chrétiens, ils prennent des chauffards pour crier. Des cornes, tout ça, mes amis. Il faut qu'on arrête la comédie un peu, mes amis. Là. La comédie, il faut qu'on arrête la comédie. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un chauffard et annonce à mon peuple ses transgressions et à la maison de Jacob ses péchés. Vous voyez, ça, on peut dire, ah non, mais ça, c'était pour la maison de Jacob. Ça, c'est pas pour nous, hein, c'était pas pour nous ça, donc on va. Non, non, crier à plein gosier, c'était pas pour nous, c'était pour maison de Jacob. Là aujourd'hui, il n'y a plus maison de Jacob, il n'y a plus de. Ah non, c'est pas pour nous ça. C'était pas. Et Matthieu 22, verset 9. Et Matthieu 28, 19, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez, frères et sœurs? Et Étienne, et Philippe, et Paul, et Pierre n'ont-ils pas été dans les rues annoncer l'évangile? N'est-ce pas dehors qu'ils ont connu la puissance du Créateur, mes amis? Je vous dis la vérité. N'est-ce pas dehors qu'on a plus vu,
plus vu les miracles, les conversions, frères et sœurs, c'était dehors. Et nous sommes en train de réaliser que le Seigneur est dans l'évangile, frère. Si nous marchons sur la parole du Seigneur, nous porterons du fruit, mes amis. Tu verras des hommes et des femmes touchés même dehors. Tu comprends? Qui vont réclamer leur baptême même étant dehors, mes amis. Et ces choses, on a pu l'expérimenter. Et on a compris par là que, en fait, on doit vivre selon l'évangile. Et non selon nos propres pensées. Non selon nos propres critères. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia! Ne va pas évangéliser ton église. Ne sors pas pour évangéliser et dire aux gens, viens dans mon église. Viens voir mon pasteur. Viens voir où je prie. Viens voir ma méga church. Viens voir mon église remplie de membres. Tu feras fuir les âmes, mes amis. Tu comprends? Pourquoi? Parce que les gens ne veulent... Les gens, c'est pas ce qu'ils veulent, les gens. Les gens veulent voir le Créateur. Ils veulent voir la puissance de Yeshua. Ils veulent voir Yeshua en toi. La vie de Yeshua en toi. Et non de voir tes briques qui seront renversées, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Ta cathédrale sera renversée, mon ami. Oh, mes amis. Voilà aujourd'hui le système religieux. Voilà aujourd'hui le mode opératoire dans l'évangélisation. Le royaume n'est plus prêché. C'est le pasteur qui est prêché. C'est mon bâtiment qui est prêché. C'est ma chorale qui est prêchée. C'est ça qui est prêché. Mais le royaume des cieux n'est pas annoncé. Mes frères et sœurs, et quand les païens voient ça, les païens ils voient, il y a un problème, encore une religion. Les hommes sont touchés quand tu leur annonces le royaume. Vous voyez, frères et sœurs, c'est là où ils vont entendre la voix du bon berger. C'est en prêchant le royaume, c'est là que le bon berger va parler à leur cœur. Mais tu vas leur annoncer ton église. Oh, on prie le dimanche, alors le mercredi, il y a tel programme. Le lundi, il y a telle chose. Le jeudi, il faut que tu sois présent, sinon tu seras maudit. Sinon, il faut donner ta dîme surtout, sinon tu seras maudit. Et le samedi, dimanche, hey, on fait des veillées de prière. Il faut absolument que tu sois là au moins deux fois. Sinon, tu risques de perdre ta récompense et ta grâce. Voilà comment beaucoup manipulent les païens, mes amis. Ils viennent à l'église, pensent trouver le Seigneur. Frères et sœurs, ils sont dépouillés. On les dépouille, mes amis. Mais c'est grave. Vous voyez, mes amis? Où est la folie de la croix? Où est la folie de la prédication, mes amis? Dans notre génération. Beaucoup ont bien commencé, mais ont mal fini. La parole dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Frère, beaucoup ont bien commencé à prêcher l'évangile, à prêcher la sainte doctrine, à prêcher la croix, à prêcher la parole pure et véritable. Mais regardez aujourd'hui, frère, comment ils finissent, mes amis. Dans la religion, dans le système religieux, dans, frères et sœurs, une vie religieuse. Vous voyez, frères et sœurs? Mes amis, voilà pourquoi on doit prier pour que nous puissions garder la vision, garder la parole du Seigneur, garder ce que le Seigneur nous a donné, mes amis. Précieusement, protège la vision qu'il t'a donnée. Protège la vision qu'il t'a donnée. Ne laisse pas les gens venir injecter leur parole dans la vision que tu as reçue du Seigneur. Au risque de la perdre, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Reste focalisé sur la vision qu'il t'a donnée, mon ami. Même si on te traite d'orgueilleux, de rebelle, de tout ce que tu veux, mon ami, reste sur la vision de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Merci Seigneur. Vrai frère et sœur, reste sur la vision qu'il t'a donnée, mon ami. Sur le modèle qu'il t'a donné. Alléluia! Alléluia, mes amis. Magnifique. Attention, ce n'est pas tout ce qui est or, qui brille, qui est or, comme dit le monde, comme le dit, comprenez, voyez. Donc, ce n'est pas tout ce qui annonce la parole qui est vérité aussi, mes amis. Parce que nous vivons un siècle où il y a des millions de prédicateurs, des millions de chrétiens, frères et sœurs. Il y en a beaucoup. Donc, il ne faut pas que tu cherches à rencontrer un groupe
à rentrer dans un groupe, à faire partie d'un groupe, à je ne sais pas quoi. Mon ami, ce n'est pas ça le but de l'évangile. Vous me direz, oui, mais il faut être enseigné, etc. Le Seigneur connaît ses enfants. Le Seigneur conduit ses enfants. Il est le bon berger. Il ne perdra aucun de ses brebis, c'est écrit. Il laisse les 99 autres pour aller chercher sa brebis qui est égarée, qui est perdue. Donc, on ne doit pas se soucier des âmes plus que Jésus. Il faut qu'on arrête ça aussi, mes amis. Père, merci pour ta parole, papa. Non, Yeshua. Oui. Ce n'est pas nous qui sommes morts à la croix pour les âmes. Si on ne fait pas attention, on peut soi-même s'ériguer étant Dieu, étant celui qui est mort pour les berges, pour les brebis. Mon ami, si on fait ça, là, on va devenir fou. On va devenir un gourou. On va commencer à contrôler les gens parce que on va croire que c'est nous qui sommes morts pour eux. On va commencer à croire que c'est nous leur berger, leur bon berger. Il y a un seul bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Donc les âmes que le Seigneur va toucher, il est grand et puissant pour les enseigner. Et il va conduire toutes choses. Vous voyez, frères et sœurs, ça se peut que quand tu vas leur évangéliser, ils sont touchés. Et le Seigneur va permettre que tu leur enseignes la parole. Vous voyez, frères et sœurs, comme on le fait par la grâce du Seigneur. Des âmes qu'on peut suivre, voilà, qu'on peut suivre. Voilà, c'est des mots en fait que, voilà, qu'on évite de dire parce que c'est le Seigneur qui suit ces âmes. Voilà, je dirais plutôt des âmes avec qui nous sommes en communion pour leur enseigner la parole, pour leur enseigner l'évangile véritable. Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia! Waouh, merci Seigneur Yeshua de Nazareth. Voyez? Alléluia! Et non des âmes qu'on va évangéliser et qui vont devenir notre propriété. Voilà pourquoi nous autres, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je n'envoie aucune âme dans aucune église. C'est des choses que j'ai pu faire auparavant. Aujourd'hui, des âmes qu'on a pu envoyer dans des églises ont complètement été, voilà, détruites, frères et sœurs. Enfin, pas détruites, mais comment dire ce mot-là là. On a mis des semences, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est terrible. On leur a prêché la parole, on les a baptisés, ils se sont mariés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a envoyés dans des églises. Et les mêmes chrétiens chez qui on les a envoyés les ont montés contre nous qui nous avons annoncé la parole, frères et sœurs. Au point où à leurs yeux, frères et sœurs, nous sommes des loups, des démons. Frères et sœurs, mais c'est, frères et sœurs, il se passe des choses terribles, mes amis. Oui, frères et sœurs. Des âmes qui étaient toutes innocentes, qu'on a présenté le royaume, on leur a présenté Yeshua, on les a baptisés. Il y en a qui ont rencontré leur conjoint. Il y en a même qui m'ont utilisé pour rencontrer. Je vous dis, c'est, frère, je vous dis c'est des choses, frère, c'est grave. Hein. Surtout un là qui m'a pris à part tout le temps. Oh, pour, en fait, il voulait une sœur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par moi. En fait, si je le vois, je lui dirais clairement que tu es un hypocrite. Ouais, frère et sœur, c'est terrible, mes amis. Ouais, parenthèse fermée. Mais il se passe des choses, mes amis. Voilà pourquoi je ne recommanderais. On ne recommande pas d'église, frère. On l'a fait ça il y a quelques années, frère. On l'a fait. Mais c'est fini, mes amis. On recommande les âmes à Jésus. On leur dit, allez voir Jésus. Ouais, frère et sœur. Oh, c'est terrible, mes amis. Ouais, frère et sœur. Parce que les âmes que tu vas évangéliser et qui seront touchées par le Seigneur, si tu fais le malheur de les envoyer dans telle et telle église, tu ne sais pas comment ils seront traités là-bas, qu'est-ce qu'on va leur donner. Voilà pourquoi nous devons, comment dire, en recommander les âmes au Seigneur, mes amis, à Yeshua, et non à une église, non aux églises, non, 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 mes amis là. Vous voyez, frères et sœurs, des chrétiens que tu as pu baptiser, tu as prêché la parole, que tu leur as dit, ben voilà, telle église là-bas, telle assemblée là-bas, vous pouvez aller là-bas, etc. Et c'est les mêmes aujourd'hui qu'on a là-bas dans cette église, on leur a parlé sur nous, si, ça, ça, oh, voilà si, voilà ça. Des choses complètement non vérifiées qui sont totalement fausses. On a Yeshua de Nazareth, mes amis. Et aujourd'hui, tu ne peux même plus leur dire bonjour, frères et sœurs. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc on voit par là que quand tu envoies les âmes dans les églises, mes amis, en fait, tu peux risquer même à ce qu'ils reçoivent des semences qui vont les détruire, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'est magnifique. Hein, pour vous dire que les âmes qui sont touchées,
Frère, c'est comme Jean, ah, voici l'agneau. En fait, ils ne sont pas à toi. Ils ne sont pas à nous. Ils sont à Jésus. Voilà pourquoi, quand ils sont touchés, Jésus est présenté. Vous voyez, frères et sœurs, et le Seigneur peut permettre qu'on leur enseigne la parole, il n'y a pas de problème. Mais Jésus est mis au devant, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, et non les hommes, et non l'église, toutes ces choses, mes amis, parce que il va se passer quoi? Ben, oh mes amis, je vous dis la vérité, beaucoup ont reçu le feu du Seigneur, et leur feu a été éteint, comment? Dans les églises, mes amis. Beaucoup pensent que être chrétien, c'est devenu un prédicateur dans l'église. Voilà la pensée, le système, la vision que beaucoup pensent que c'est ça en fait. Être prédicateur, c'est être dans l'église tous les dimanches, tous les week-ends. Mon ami, c'est pas c'est chrétien. Le chrétien, il n'est pas tous les dimanches, tous les samedis, tous les vendredis, tous les mercredis, tous les mardis, enfermé dans l'église. Frère, il est en communion avec le Seigneur. Mais il écoute aussi la voix du Seigneur. Vous me direz s'il y a un temps pour être formé. Oui, le Seigneur nous forme, le Seigneur nous parle, il nous enseigne la parole. Mais un temps vient où il faut être intime avec le Seigneur, mes amis, de plus en plus, afin de répondre à son appel. Vous voyez, frères et sœurs? Waouh! On va prendre un passage qui est magnifique. On va prendre un passage dans 1 Samuel 16. On va lire à partir du premier verset pour comprendre le contexte. Et voilà. Et là, on voit par là que Samuel est venu pour oindre. On voit l'image par là de l'enfant du Seigneur qui est simplement dans l'intimité avec le Seigneur, qui est au pied du Seigneur. Et on va voir quelque chose de très parlant aussi. Et waouh. 1 Samuel 16, verset 1. Yahweh dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et viens, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour toi, pour roi. Donc on voit pas là que le Seigneur, je prends l'image de tous les chrétiens, voilà, que le Seigneur appelle, que le Seigneur remplit pour quelque chose de bien précis. Et donc voilà. Et Samuel dit, comment irai-je? Car Saül l'apprendra et il me tuera. Et Yahweh répondit, tu prendras en ta main une jeune vache du troupeau et tu diras, c'est pour sacrifier à Yahweh que je suis venu. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai savoir moi-même ce que tu auras à faire et tu rejoindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit comme Yahweh lui avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville, tout effrayés, accoururent au devant de lui et lui dirent, ta venue est-elle la paix? Oui, parce que oui, on ne peut pas annoncer un évangile. On voit l'image dans une parenthèse. Beaucoup pensent qu'on va annoncer l'évangile, on va annoncer que tout va bien demain, tout ira bien. Frère, on annonce un jugement, mes amis. L'évangile, c'est annoncer la mort de Yeshua pour notre pardon, mort sur la croix pour nous sauver, nous pardonner. Mais l'évangile aussi annonce le jugement, mes amis. Parce que quand on entend beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ah, il faut annoncer la bonne nouvelle. On va annoncer la bonne nouvelle. Jésus vous aime. Un évangile complètement, frère, qui touche personne. Pourquoi? Parce que les gens vont se sentir complaisants dans leur péché. En fait, un évangile qui complaît les gens. Ah ben c'est bien, il m'aime Jésus. Ben. Ah ben il m'aime. Vous voyez, le Seigneur peut nous pousser à dire Jésus t'aime à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Il faut bien comprendre. Et ça peut l'interpeller même sur son péché, son état. Comme souvent je le dis, souvent dans mes prédications, un jour à Marseille, j'étais au restaurant avec ma femme, et une serveuse est venue me servir. Le Seigneur me dit je suis poussé à lui dire Jésus t'aime. Frère, elle s'est mise à pleurer dans le restaurant. Elle s'est mise à pleurer, je vous dis. On m'a jamais dit ça. Elle s'est mise à pleurer, frère. Je vous dis. Je vous dis la vérité. Une Française. Vous voyez, frère et soeur, touchée. Elle s'est mise à pleurer, frère, en plein dans le restaurant. Alors qu'elle nous servait, moi et ma femme. On était choqués. Et frère, j'ai dit, waouh. En fait, la parole a des effets, frère. La parole est puissante. L'évangile est puissant. Voilà pourquoi... Il ne faut pas
préfabriquer des messages. Vous voyez, frères et sœurs, la parole dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Vous voyez, frères, c'est comme, c'est spontané. C'est comme quand tu cries la Coupe du Monde, t'as crié la Coupe du Monde. Ah, on a gagné. T'as fait la fenêtre, t'as crié par la fenêtre. Ah, c'était spontané, non, t'as pas réfléchi. Eh bien, l'évangile, c'est pareil. Le Seigneur dit ouvre ta bouche et il va te remplir. Tu vois, il va te donner les messages, les mots, les paroles qui va parler aux gens sur le quai, parler aux gens sur là où tu es, pour parler au cœur de chacun. Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez, voilà pourquoi on dénonce qu'on ne peut pas préfabriquer des messages ou des méthodes, des cours d'évangélisation. Voilà, comme quelqu'un me disait que telle personne un jour a fait des cours d'évangélisation. Voilà, quand on va évangéliser, il faut faire comme ci, comme ça. Mon ami, tu rentres dans une brique. Sans s'en rendre compte, on te met dans une brique. Vous voyez ? On te met dans un fonctionnement, dans un système, un formatage, et tu feras comme ça. Comme on voit souvent la religion, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous voyez, frères et sœurs ? Mes amis. Vous voyez ? Vous voyez ? Il dit verset 5, il dit la paix, je suis venu pour sacrifier Yahweh. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. À son entrée, il remarqua Eliab et il se dit, le Mashiach de Yahweh est certainement devant lui. Donc en fait, Samuel, voilà, il est parti pour rendre la personne que le Seigneur lui a dit. Voyez? Voyez, frères et sœurs? Mais Yahweh dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc en fait, le Seigneur, il n'y aurait pas l'apparence, ni à la taille, ni à l'éloquence. Frère, ce n'est pas son critère de qualification, ou son critère de... Ce n'est pas ce qui regarde le Seigneur. Frère, il ne regarde pas comme nous. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux, mais Yahweh voit le cœur. Si Yeshua vient dans cette génération en tant qu'homme, les gens vont voir son apparence. Ils vont le rejeter, ils vont dire, non, ce n'est pas Dieu ça. C'est pas le créateur, ça, c'est un brigand. Ah non, ça, c'est un sorcier, c'est un démon. Ah, c'est un Belzébul. Il veut casser l'église. Voilà ce qu'ils vont dire, mes amis. C'est terrible, mes amis. Voyez? Je vous dis la vérité. Si Yeshua vient aujourd'hui là, sur la terre, physiquement, mes amis, comme il est venu il y a 2000 ans, il revient dans notre génération. Frère, beaucoup de chrétiens risquent de le rejeter, mes amis. Je vous dis la vérité, ce n'est pas risque. Hein. Beaucoup vont le rejeter et vont le jeter hors de l'église, hors de la synagogue. Parce qu'il va tout casser, il va tout dénoncer là-dedans, mes amis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, frère, c'est terrible. Vous voyez, frère et sœur? Waouh! Mais Yahweh voit le cœur. Pourtant, tous ces chrétiens-là, c'est eux qui adorent le Seigneur. Oh, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Alléluia! Oh Seigneur, oh Jésus. Le même Jésus qu'ils adorent vient physiquement. Ils ne vont pas le reconnaître. En fait, beaucoup adorent, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi très peu de chrétiens répondent à l'appel du Seigneur? Ben, c'est parce qu'en vérité, beaucoup en fait, en vérité, se sont, en fait, ont suivi, ils ont adhéré. Il y a beaucoup qui ont adhéré à la chrétienté. Voilà pourquoi on comprend qu'il y a un problème dans l'église, parce que très peu ont saisi Jésus. Vous voyez, frères et sœurs? Très peu sont fous de Jésus. Beaucoup disent, Seigneur, je veux mourir pour toi. Comment tu peux mourir pour vouloir mourir pour le Seigneur et tu n'arrives même pas à crier? Il te dit, crie, tu ne veux pas crier? Va en mission, tu veux pas en mission et tu es prêt à mourir pour lui? Mais non, c'est de la bouche. Mais le cœur est éloigné du Seigneur, mes amis. Beaucoup m'honorent de la bouche, dit le Seigneur, mais leur cœur est éloigné de moi. Voyez, frères et sœurs, beaucoup jouent des rôles, des acteurs, des comédiens terribles. Ils peuvent pleurer. Oh là là, ils vont pleurer quand ils vont prêcher. Pleurer. Ils vont pleurer. Voyez, ils vont... Le rôle des acteurs, la comédie, les hypocrisies. Le Seigneur leur dit, maintenant, t'as pleuré aujourd'hui, t'as pleuré devant tout le monde aujourd'hui là. Maintenant, je veux que tu parles de moi devant cette foule là. Parle de moi. Prêche la croix. Beaucoup vont dire, ah non, mais Seigneur, c'est pas le lieu approprié.
c'est pas le moment, Seigneur, je vais au boulot en fait là. Frère, il y a des chrétiens, ils vont au boulot, ils vont dire, Seigneur, là, je vais au boulot. C'est pas le moment, Seigneur, c'est pas le moment. Frère, le boulot que tu as, il peut même te fermer ce boulot là, tu vas voir. Tu vas voir, c'est pas le moment. Beaucoup de chrétiens, des portes sont fermées pour eux, pourquoi? Des portes se ferment, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur, mes amis. Il y a des chrétiens, les portes, tout se ferme. Il n'y a rien qui marche. Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Ils vont dire, non, c'est les démons, mon ami, c'est parce que tu n'es pas dans l'obéissance. Tu n'obéis pas au Seigneur. Comment veux-tu qu'il te donne ce que ton cœur désire? Comment tu veux qu'il t'ouvre des portes? Toi-même, tu ne veux pas lui obéir, mais il va retirer sa main. Voyez? Et après, on va aller chercher la prière des prophètes, la prière des anciens, la prière de tel prophète, la prière sur les réseaux, aller dans les groupes, tout ça. Il y a des chrétiens, ils vont dans tous les groupes de prière, mes amis. Tous les groupes, ils y sont. Tous les églises, ils y sont, mes amis. Ça, voilà encore un autre. Frère, il y a un problème de vision dans l'église, un problème de rencontre avec Jésus. Tu les vois dans tous les groupes, tous les Zooms, tous les chats, ils sont partout. Il y a un problème. Au lieu de chercher le Seigneur, de rester avec leur famille, prier le Seigneur, chercher le Seigneur dans l'intimité, à savoir sa volonté qu'il a pour eux, qu'il a pour nous. Il y a des chrétiens, ils sont comme des vagabonds. Vagabondage. Ils sont dans toutes les églises, mes amis. Toutes les églises, ils sont là. Tous les groupes de prière, ils sont là. Frère, c'est grave. Dans le mélange comme pas possible, ils savent que le pasteur, c'est un adultère, c'est un impie. Ils sont là, ils sont dans l'église de ce pasteur impie, de ce voleur d'argent, ce voleur de femmes, ce dragueur. Mon ami, c'est grave. Ils savent en plus, hein, mais ils applaudissent. Mon ami, ce genre de chrétiens-là, là, ils n'iront pas au ciel comme ça. Il faut se séparer des mauvaises compagnies, se séparer de la religion, se séparer de toute fausse doctrine. Un enfant du Seigneur ne peut pas accepter les fausses doctrines. Vous voyez, frères et sœurs, si ce qu'on te dit n'est pas en rapport avec la parole, tu ne peux pas l'accepter. Vous voyez, frères et sœurs? Oh, mes amis, c'est grave, hein? Oh, Seigneur Yeshua, frères, c'est la confusion totale. Le mélange. On se conforme, on se mélange au péché, on se mélange aux pécheurs. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller travailler avec les pécheurs. Ça, c'est pas pareil. Là, on parle de la chrétienté, mes amis. Comme là, on apprend, et ça, je crois, on va faire une mission, là, si le Seigneur permet, pour dénoncer quelqu'un qui se dit chrétien, prédicateur. On va le dénoncer, mes amis. Et s'il permet, avec preuve à l'appui, avec cette personne qui l'a essayé de... Qu'il a fait beaucoup de mal. Un masturbateur, quelqu'un qui est dans le péché, frère et soeur. Oh, si c'est le Seigneur, on va dénoncer ça, mes amis. Péché comme pas possible. Et se dit chrétien, se dit prédicateur, mon ami. Si tu entends ce message, on va te dénoncer. On t'a déjà averti plusieurs fois. On va te dénoncer, mon ami. Oh, Seigneur Yeshua de Nazareth. Ah oui, on va dénoncer ça. Oh oui, frère et soeur. Voyez, on va te dénoncer, mon ami. Dénoncer tes œuvres là. Et des chrétiens veulent contrôler les gens, frère et soeur. Contrôler les gens. Voilà. Voilà, contrôler les âmes du Seigneur, frère et soeur. C'est terrible, mes amis. Beaucoup de chrétiens. Encore une aussi là qui est dans le... C'est un couple encore là, dans le péché comme pas possible, frère et soeur. Adultère. Péché comme pas possible, nudité, frère, impudicité. Frère, c'est grave, mes amis. Oh, Seigneur Yeshua. Et c'est les mêmes chrétiens, en fait, qui veulent mettre la main sur d'autres chrétiens, qui veulent semer le péché dans le cœur de beaucoup de chrétiens, frères et sœurs. Frère, je vous dis la vérité, hein. Une génération où il y a beaucoup de faux prophètes, des chrétiens qui voilà, que tu peux penser qu'ils prophétisent de la part du Saint-Esprit, mais en vérité, c'est des esprits de Python, mes amis. Esprit de Python. Frères et sœurs, j'ouvre une parenthèse. Frères et sœurs, ne regarde pas, comment dire, aux dons. Voyez, frères et sœurs, c'est les fruits qu'il faut regarder. La parole dit, vous le reconnaîtrez aux fruits. Non par la prophétie, non par... Non, c'est les fruits. Parce qu'il y a, y, a,
il y a une vague aujourd'hui de chrétiens qui sont des prophétesses, prophètes, qui prophétisent. Mais en vérité, frères et sœurs, c'est l'esprit de Python. Des chrétiens qui, chaque matin, chaque midi, chaque seconde, ils ont des prophéties tout le temps. Mon ami, c'est pour te contrôler ça, mon ami, là. Tu vois? C'est pour que tu deviennes leur anon. Il y en a, ils vont te prophétiser. Dieu m'a dit, il faut que tu marches avec moi. Si tu entends une prophétie comme ça, mon ami, que Dieu m'a dit que toi, là, il faut que tu marches avec moi, mon ami, prends tes jambes à ton cou, mon ami. Ça, là, c'est pour t'emmener dans un assujettissement. C'est pour te contrôler, mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Si tu entends un chrétien qui te dit, Dieu m'a dit, il faut que tu marches avec moi, mon ami, prends tes jambes à ton cou. On va te dépouiller, on va faire de toi une marchandise, de toi, on va te mettre un collier autour du cou. Tu vois? Jean a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà le message véritable. Un chrétien, un envoyé du Seigneur va te dire, va voir le Seigneur, va voir Jésus. Tu vois, frère et sœur? Il ne va pas mettre la main sur toi. Il ne va pas contrôler ta vie. Non, 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 non. Il te dira, voici Jésus, voici l'agneau, mes amis. Alléluia, frère et sœur. Waouh! Tu vois, frère et sœur? Donc, il faut crier la victoire de Jésus plutôt que crier la victoire de la coupe du monde. Mes amis, alléluia. Frères et sœurs, c'est un temps où il faut être dans la volonté du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, dans, comment dire, ce que le Seigneur attend de tout un chacun. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour un ancien à la foi. Hein. Voilà. Un vieillard, je peux dire ça, voilà, qui est converti avant nous. Voilà, notre frère qui est aux Antilles, notre frère, il va se reconnaître. Hein. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il va croire que. Voilà, voilà. Et qui a fait plus de 20 ans dans les églises. 20 ans, frère, 20 ans, mes amis, 20 ans. Des années. Et par la grâce du Seigneur, il s'est rendu compte en vérité que. En fait, c'est que là, que le Seigneur commence à. Il commence à aller vraiment en mission. Aller de pays en pays, de île en île, annoncer la parole, frère, avec le feu de Yeshua. Notre frère Abenaki, voilà, il va se reconnaître. Qui nous encourage beaucoup, frères et sœurs, parce que on réalise que, comment dire, que le Seigneur est fidèle. On peut être pour un temps aveuglé, un temps, voilà, on ne comprend pas toutes choses, et un temps vient où le Seigneur retire le voile. Vous voyez, frère, il retire le voile. Kaitama Shekaya. Alléluia. Ô Père de gloire, Yeshua Kaita. Il retire le voile. Un temps arrive, il retire le voile, mes amis. Et tu commences à voir, comme Paul a commencé à voir, lui qui allait persécuter les chrétiens sur le chemin de Damas, qui était sur le chemin de Damas, et la lumière est descendue. La lumière a dit, pourquoi me persécutes-tu, mes amis? Il est devenu aveugle. Vous voyez? Et le Seigneur a fait voir par la suite. Il y a un temps, le Seigneur nous. On comprend pas tout. On comprend pas tout. Mais il y a un temps, on vient où le voile est déchiré, mes amis. Et nous voyons clair. Nous voyons la lumière. On voit le chemin. On voit la vision. On voit l'objectif que le Seigneur a attend de nous, mes amis. A pour nous, mes amis. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, on est encouragé de voir que notre frère. Avec d'autres frères aussi, hein, notamment Loïc, tout ça, notre frère Loïc, Yori, tout ça, qui se lèvent en Guadeloupe, mes amis, pour annoncer Jésus avec force. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Pourtant, quand le Seigneur nous a permis de mettre en place Unité Caraïbe, frère, c'est terrible. Hein. Je lui ai dit, toi, tu te mets président. Voyez, moi, je me suis mis vice-président, voilà. Président, lui, président, je dis, toi, t'es le président. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, j'ai reçu la vision de Unité Caraïbe. Je ne me suis pas mis président. Vous voyez, frères, j'aurais pu le faire. J'aurais pu me mettre président. C'est moi le président de Unité Caraïbe.
C'est la vision. J'aurais pu m'irriguer, m'élever au-dessus, tout ça. C'est moi qui ai reçu la vision de Unité Caraïbe. C'est moi qu'il faut qu'il soit au devant. C'est moi qui dois gérer. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, non, mes amis. Je l'ai dit, bon, tous mes présidents. Moi, je me suis mis vice-président. Et l'équipe s'est constituée, mes amis. Tout est en règle. Carte bleue, compte bancaire. Il y a tout, mes amis. Et le Seigneur leur fait travailler, frère. Voilà, on est là pour travailler ensemble. Hein. Mais moi, le Seigneur me demande de travailler par rapport à ce qu'il me demande de faire. Vous comprenez? Le frère travaille, voilà, dans ce que le Seigneur lui met à cœur aussi de faire par rapport à Unité Caraïbe. Mais le frère évangélise, mes amis, c'est ce qui est terrible. Avec sa femme, avec l'équipe, frères et sœurs, ils sortent nourrir, mais ils évangélisent avec force, comme Yeshua a fait. Il les a nourris là, mais Zoké n'a pas de parole là aussi. Zoké ni parole là, Zoké ni évangile là, mes amis. Mimi, vous voyez, vous aurez l'évangile. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça qui est beau, frère. Il ne s'est pas dit, je suis dans l'association pour nourrir les pauvres, donc je ne vais pas, non, moi c'est comme ça. Non, frère, l'Esprit lui dit, tu nourris. Et tu cries aussi, il faut que tu annonces. Frère, ils annoncent la parole avec force en Guadeloupe, mes amis. Mes frères et sœurs, voyez, l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre du royaume, mes amis, le royaume des cieux en action, l'œuvre du royaume, mes amis, des frères et sœurs qui se lèvent pour travailler dans la moisson, frères et sœurs, grâce au Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, frères et sœurs, et les âmes sont nourries. Frère, on est choqués, hein. Julienne opérée, frère, voici l'œuvre que le Seigneur a accomplie, mes amis. Donc voilà pourquoi on va continuer à crier, mes amis. Ça ne plaît pas beaucoup de chrétiens. Beaucoup, tu ne seras pas aimé, mon ami. Mais on va crier. On va parler, on va crier, mes amis. Oh oui, alléluia. On va crier que Jésus est Dieu, que Jésus est Elohim, que Jésus est le roi des rois, que Jésus est vivant. Alléluia. Le feu se répand, la gloire se répand. Je vous dis la vérité, sur nos âmes, sur nos vies. Oh mes amis, c'est glorieux. Alléluia. Donc l'argent que tu gagnes, mes amis, les finances que tu as, mon ami, eh bien il faut que tu dises au Seigneur, Seigneur, je fais quoi avec cet argent, mon ami? Seigneur, tu veux que j'aille où? Je dois faire quoi avec cet argent, Seigneur? Tu veux que je fasse quoi avec l'argent que tu me donnes? Beaucoup ont reçu de l'argent de la part du Seigneur, des finances de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Ils vont gaspiller ça dans n'importe comment. Et ils ne demandent pas, Seigneur, Seigneur, mais je dois faire quoi pour toi? Où tu veux me voir en mission? Peut-être le Seigneur te donne une grosse somme d'argent pour aller en mission. Toi, qu'est-ce que tu fais avec l'argent, toi? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que le Seigneur te donne? Tu n'as jamais été en mission, ne serait-ce que dans, je sais pas, une heure de chez toi, à 2 heures de chez toi. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que le Seigneur te donne, mes amis? Oui, frères et sœurs. Vous voyez? Vous voyez, frères et sœurs? Donc, Loïc, je te bénis, mon frère, on a Yeshua, hein, c'est pour témoigner aussi de ce que le Seigneur fait. Un frère qui venait tout le temps au programme qu'on faisait aux Antilles, tout le temps il venait comme ça, et il rentrait chez lui, certainement il rentrait chez lui, jusqu'au jour, mes amis, où Yeshua a dit, c'est ton temps. Toi là, je t'attends ici. Toi là, je te veux faire cette œuvre, mes amis. Tu comprends, frère et sœur? Et le Seigneur a touché les cœurs, a mis en place son œuvre, frère et sœur, et cette œuvre porte du fruit. Je vous dis la vérité, c'est ça l'œuvre du royaume, mes amis. Là où nous allons, frère et sœur, le feu doit prendre, le réveil doit avoir lieu. Même si on te dit, ah non, il n'y a rien qui se passe là-bas. Oh, tel pays, il y a même des frères du Gabon, des frères d'Afrique, qu'on voit des mails des fois qui nous disent, enfin, ça, dans le passé, hein, ça a déjà eu lieu il n'y a pas longtemps. Ah, mais comment vous faites pour crier en France? C'est un terrain compliqué, tout ça. Frère, ça choque des chrétiens que nous crions en France. Frère, ce n'est pas de notre propre force que nous nous levons pour aller crier, frères et sœurs. C'est pas là, c'est par son esprit. Alléluia. Comme je le dis dans Malachi, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, frères et sœurs, que nous crions en France. Alléluia. Et que des âmes se convertissent, sont touchées, se baptisent. C'est par son esprit, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs?
Et là, on vous annonce qu'il y aura d'autres missions qui vont avoir lieu en Angleterre, par la grâce du Seigneur, en Guadeloupe, en Belgique, en Haute-Savoie et le Canada pour bientôt, mes amis. Je vous dis la vérité, bientôt Canada. Ah oui, je vous dis, c'est, en fait, c'est magnifique avec Jésus-Christ, mes amis. C'est glorieux avec Yahushua. Il nous donne des visions en chaque temps. Chaque saison, il y a quelque chose à faire, mes amis. Il y a une saison pour toutes choses, un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour des émissions, un temps pour, je sais pas, aller crier tel lieu, un temps pour faire telle chose, un temps pour conférence. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça que j'aime avec mon Père Céleste. C'est que, on fabrique pas des choses. On s'attend à lui. Vous voyez, frères et sœurs, s'il dit conférence, conférence, on le fait. Il dit pas conférence, on fait pas conférence. Il dit mission, on va en mission. Et c'est ce qui est magnifique. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce qui est glorieux. Vous voyez, frères et sœurs, ne croyez pas que nous sommes mieux que vous, on est mieux que quiconque. Frère, on essaie simplement de répondre à l'appel que nous avons reçu du Seigneur, à ce qu'il nous demande de faire pour son royaume. Parce qu'il revient, frères et sœurs, et des hommes vont en enfer. Il faut prêcher la croix, prêcher la repentance, et non aller crier la coupe du monde. Oh, la coupe du monde! Tu vas voir, dans 2 semaines, c'est fini, mes amis, ça. Une joie qui va s'évaporer. Une joie qui est éphémère, une joie temporaire. Voilà aujourd'hui notre génération. Au lieu de prêcher la croix, parce que beaucoup vont dans la gêne, beaucoup vont en enfer bientôt, mes amis. Nous, on est là, on dort, on cherche à savoir qui va prêcher dimanche, qui va être le pasteur de l'église, le pasteur principal, voyez, celui qui va être diacre, celui qui va prêcher l'autre dimanche, celui qui va, et on se bagarre entre nous dans l'église, qui va chanter le mieux, qui a la plus grande onction, qui a la plus grande grâce, qui se rapproche du pasteur, qui ira dormir chez le pasteur. Oh patati, oh patata. Frère, c'est la pagaille, mes amis. La pagaille, le désordre, le chaos. C'est le chaos, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Une génération qui aime le péché, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, des chrétiens qui pratiquent le péché, la Bible est claire, celui qui pratique le péché, il est du diable. Vous voyez, frères et sœurs, et toi, chrétien qui a péché hier, tu t'es repenti, eh bien, il t'a pardonné, que personne ne te condamne, que personne ne te juge, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui se rappellent de leur péché d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans. Vous voyez, on te rappelle tout ton péché d'il y a 20 ans. Mon ami, tu as été pardonné. Vous voyez, Jésus dit quand il pardonne, il oublie. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont paralysés à cause de leurs péchés qu'ils ont commis il y a 20 ans. Mon ami, mais c'est Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Si tu t'es repenti depuis toutes tes années, tu t'es repenti. Mon ami, mais t'es sauvé. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, tu as commis un péché. Et tu te rappelles toujours de ce péché. Mon ami, il y a un problème. Il est temps que tu passes par. Tu brises. Voilà, je ne sais pas, prie le Seigneur. Ouais, frères et sœurs, vous voyez, on n'a pas été appelé à croupir, voilà, pendant des siècles dans l'église. Il y a des chrétiens, ça fait 20 ans, ils disent, je suis dans l'église depuis 20 ans. Mais il y a un problème, mon ami, c'est pas une joie de dire ça. Oh, ça fait 10 ans que je suis dans l'église, 10 ans que je suis là. Mon ami, mais c'est pas une joie ça, mes amis. Au contraire, c'est un échec. Beaucoup ne seront pas contents, beaucoup vont... Comment dire, mais c'est quoi? Mon ami, c'est un échec. Oh Seigneur, Yeshua. C'est un échec. Dis que ça fait 20 ans que tu es dans l'église. 20 ans que tu sers dans l'église. Je sers depuis 20 ans dans l'église. C'est un échec, mon ami. Ah oui, c'est un échec total. Parce que le Seigneur ne t'appelle pas à servir l'église. Il t'appelle à le servir. Il t'appelle à le suivre. Tu comprends? Voilà pourquoi un temps va arriver où le Seigneur va fermer. Je vous dis, beaucoup d'églises, là, s'ils n'ont pas un passeport, là, je ne sais pas quoi, s'ils ne passent pas dans une fédération quelconque établie par l'État, mon ami, on va fermer. Beaucoup de bâtiments seront fermés, mes amis. Et c'est là qu'on va voir que beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner dans le monde, dans le péché. Ou soit se fédérer, ou soit se conformer à leur système et ils vont rater le ciel. Oui, frère et soeur, un temps arrive, il n'y a pas de. Ton pasteur ne sera pas là. Je te dis,
ton apôtre, ton prophète, ton évangéliste, ton pasteur, ton diacre, ton ancien ne sera pas là pour toi, mon ami. Tu seras face à la réalité des choses, mon ami. Oh, je te dis la vérité. Tu seras face à la réalité, toi et le Seigneur. Mais comme beaucoup n'ont pas la foi au Seigneur, ils vont aller chercher des routes de secours. Comme des chrétiens qui sont partis, voilà, ils ont voyagé ici, là, dans des pays, mes amis, pour aller chercher des pasteurs, des prophètes, tout ça, mes amis, des coureurs de prophéties, des coureurs de bonne aventure, des coureurs. Mes amis, je vous dis, c'est... Oh Seigneur, frère, j'ai pas de mots, mes amis. J'ai pas de mots. Vous voyez, frères et sœurs, vous allez voir, hein. Déjà, Corona est passé, beaucoup sont partis dans le péché. Je vous dis, adultère, péché sur péché. Parce que pourquoi? L'église était fermée. Parce que beaucoup pour l'église, pour beaucoup, c'était là qu'il fallait se sanctifier. Et beaucoup ne pensaient pas qu'il fallait se sanctifier, se purifier, se mettre à part chaque jour, même quand l'église n'est pas là. Beaucoup se sanctifiaient pour prêcher à l'église le dimanche. Je vous dis la vérité, mais quand tout ça a été fini, à cause de Corona, eh bien c'est là qu'on a vu vraiment qui sont les vrais chrétiens. Je vous dis, hein, les églises sont remplies, mais il y a très peu de véritables chrétiens. Les véritables chrétiens, en général, ben, ils fuient tout ça, ils fuient le système religieux. Vous voyez, frères et sœurs, ils sont en petits groupes, dans les maisons, ils sont en mission, ils sont ici et là, ils font l'œuvre du Seigneur. Et ils n'ont pas d'attache religieuse de... Non, frères et sœurs. Vous comprenez? Alléluia! Waouh. Il y en a qui se masturbent comme pas possible. Ils voient l'église. Ça convoite les corps des femmes. Ça drague les sœurs dans l'église. Frères et sœurs, voici l'état des chrétiens, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Il y en a qui se conforment au monde. Vous voyez, frères et sœurs? Ça se conforme à cette génération. Beaucoup paraissent chrétiens, mais au fond d'eux, là, frère, ils ne sont pas fermes. Ils ont double langage. Ils peuvent mentir aussi. Frère, il y a beaucoup de chrétiens qui mentent. Comment voulez-vous que le Seigneur puisse se servir de menteur, mes amis? Comment voulez-vous que le Seigneur puisse se servir d'impudique, de chrétiens qui sont pas stables? Il ne peut pas les envoyer, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Beaucoup de notre génération attendent d'avoir l'approbation de l'ancien pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Si l'ancien dit non, tu vas les revoir. Ils vont s'asseoir. Parce qu'ils n'ont pas encore eu l'approbation de l'ancien. C'est écrit où dans la Bible, ça, mes amis? S'il y a un verset qui le dit, ok, mais s'il n'y a pas de verset, mais il y a un problème, vous êtes idolâtre. Voilà l'évangile véritable, mes amis. Et ce message nous pousse à faire quoi? À adorer Jésus. Parce que beaucoup diront, oh non, mais c'est pour se rebeller contre l'église, contre l'ancien. Non, mes amis, il est temps qu'on aille vers Jésus. Parce qu'on a beaucoup été vers les hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de chrétiens, pendant 30 ans, 20 ans, sont toujours allaités, sont toujours à la mamelle, sont toujours, toujours assis à l'église. Et les âmes meurent dehors, mes amis. Il y a un problème, frères et sœurs. Des âmes meurent, des gens vont en enfer. Tu as reçu la croix, tu as reçu le message de l'évangile. Que fais-tu avec, mes amis? C'est bien beau de recevoir l'évangile, mais tu fais quoi avec demain? Que fais-tu avec ce feu-là, mes amis, qui est l'évangile? Tu fais quoi avec? Hein, frère, tu fais quoi avec ce feu? Tu connais l'Apocalypse, tu connais Genèse, tu connais Néhémie, tu connais tous les livres de la Bible, mais tu fais quoi avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu te réjouis de connaître tous les versets? Tu te réjouis de connaître la Bible par cœur, mais tu fais quoi? Le diable aussi connaît la Bible par cœur. Et le diable ne prêche pas pour le salut des âmes. Donc en vérité, connaître la Bible, c'est par cœur, c'est pas ce qui va te sauver. Hein. C'est la mettre en pratique, parce que beaucoup la connaissent, mais elle la mettent pas en pratique. Vous voyez, frères et sœurs? C'est terrible, mes amis. On a une employée, parce que j'ai mon entreprise, par la grâce du Seigneur. On a une employée qui connaît la Bible. Parce qu'on leur prêche la parole aussi là-dedans, mes amis. Il n'y a pas où il y a entreprise ou pas. On prêche la Bible. Même là-dedans, là, mes amis, là. Ah oui! Elle connaît la Bible par cœur, elle connaît les versets. Mais la vie n'est pas encore avec. Mais je crois que ça va aller, au nom de Yeshua. Si elle écoute ce message, ça va aller. Au nom de Yeshua, on prie que le Seigneur te fasse grâce. On ne te condamne pas.
Mais la connaître là, c'est pas ce qui va nous sauver, c'est la mettre en pratique. Alléluia, mes amis. La mettre en pratique, mes amis. Voyez, frères et sœurs. Waouh. Mes frères et sœurs. Que fais-tu avec toutes ces révélations que tu as eues, tous ces versets que tu connais, tous ces. Tu t'es enfermé pendant 20 ans. Oh, il faut que je m'enferme. Il faut arrêter de dire je vais m'enfermer. Nous sommes des Akashas, Yeshua. Toi, t'enfermes où encore, mes amis? Toi, t'enfermes où encore? Il faut qu'on arrête de s'enfermer. Tu t'enfermes, tu ressors, il n'y a rien. Tu ressors. Yeshua t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? D'aller évangéliser, il te l'a certainement dit. Mais tu as dit non, non, Seigneur, il faut que je m'enferme encore. Je dois encore m'enfermer encore à l'église, Seigneur. Je dois encore avoir la formation pour pouvoir aller évangéliser, aller faire l'œuvre. Il y a des chrétiens, ils reçoivent des formations sur formation. Formation pendant 20 ans, 30 ans. Frère, ça t'a servi à quoi la formation, mes amis là? La formation que nous recevons de la parole du Seigneur, c'est pour nous bâtir, pour marcher avec le Seigneur et pour œuvrer pour le royaume. D'abord être sauvé, mais ensuite, le sauveur que nous avons là, nous devons aussi sauver les autres par la parole que nous recevons. Oui, frère et soeur? Frère, c'est grave, hein? Frère, c'est grave. Donc, on doit revenir à notre poste. Revenir là où le Seigneur nous attend, nous appelle, mes amis, pour sa gloire. Alléluia. Mais malheureusement, on vit dans un temps où les chrétiens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, bon, on doit tous être ensemble. Voilà, on doit marcher tous ensemble à vie. Voilà, on doit tout le temps être ensemble. Voilà, celui qui n'est pas avec moi, eh bien, c'est-à-dire qu'il est perdu. Mon ami, ce n'est pas ce que dit la parole, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Si tu n'es pas à l'église dimanche, le Seigneur peut t'envoyer en mission. Si on te dit que tu n'étais pas là, dimanche, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. On te dénonce, on te casse parce que tu n'étais pas à l'église. Mes amis, ben ça, c'est pas la Bible, ça, mes amis. C'est qu'on, en fait, là, c'est la religion. C'est sectaire. On t'enferme, tu vois. Beaucoup de chrétiens ont été appelés à aller crier, à aller travailler pour le royaume des cieux, à aller faire l'œuvre du Seigneur. Et il s'est passé quoi? À cause de ces paroles qu'ils ont entendues, on leur a dit qu'il fallait être à l'église. Ils n'étaient pas à l'église, et bien ils ont arrêté d'évangéliser, mes amis. Donc tous les dimanches, tous les programmes, tous les réunions, il fallait qu'ils soient là, voyez, frères et sœurs. Et les âmes meurent dehors. Voyez. Tu penses que le Seigneur va te dire quoi? Je te voulais là, toi, je te voulais là, là. Je te voulais là, là. Tu vois, c'est là que je te voulais. Dans ce lieu-là, ici, là. Mais toi, tu as tremblé devant les hommes. Tu as préféré aller dans le bâtiment, dans les réunions, les programmes, alors que moi, je voulais sauver des âmes ici avec toi. Frère, je vous dis la vérité. Chrétien, chrétienne, faisons attention comment nous marchons. Frères et sœurs, vous comprenez, frères et sœurs? Parce que Jésus, frère et sœur, tu appartiens à Jésus. Tu comprends? Et c'est pour la liberté qui t'a affranchi. Ce n'est pas pour devenir encore esclave. Vous voyez, frère et sœur? Parce que le Seigneur, être devenu chrétien, ce n'est pas de rentrer sous la coupe de quelqu'un. Tu deviens sous la coupe de Yeshua. Vous voyez, frère et sœur? Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans leurs appels, dans l'œuvre du Seigneur, dans l'œuvre que le Seigneur attend pour eux. Pourquoi? Parce qu'on est trop. En fait, on a remis des systèmes en place. On a remis des programmes, des choses en place qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur, qui emprisonnent les chrétiens, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Combien de chrétiens ont reçu la grâce du Seigneur? On a tous reçu la grâce. Mais un appel du Seigneur, le feu du Seigneur pour une œuvre bien spécifique. Mais ce feu s'est éteint à cause de quoi? À cause de la routine religieuse, à cause du système religieux, à cause des pratiques religieuses. Beaucoup ont étouffé ce feu. Ça s'est éteint. Et là, c'est à cause de leur femme. À cause de leur femme, le feu qu'ils ont reçu, ça s'est éteint. Tu ne veux pas te marier avec une femme, frère, mon frère, et ta femme, elle domine sur toi. Il y a un problème d'autorité. Il y a un problème de chefferie. Je vous dis la vérité. Quand tu t'es converti, ta femme n'était pas là. Quand tu t'es converti, ton mari n'était pas là. Donc tous les deux doivent être soumis à Jésus. Alléluia. Waouh. Voilà encore
quelque chose d'autre qui détruit beaucoup de chrétiens, en fait, en vérité. Le mariage. Dans le sens où ils mettent le mariage au-dessus de Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, ils pensent que le mariage est plus grand que Jésus. Mes amis, attention. Attention. Il t'a donné le mariage, mais c'est pour le servir. C'est pas pour faire n'importe quoi. Il y en a avant de rentrer dans le mariage, ils font n'importe quoi, mes amis. Oh oui, il y en a qui s'embrassent avant le mariage. Ils s'embrassent, ils se tiennent la main. Ils font des choses mondaines, des pratiques mondaines avant le mariage. Frère, mais c'est grave. Vous voyez, frère et soeur? Vous voyez, frère et soeur? C'est terrible, mes amis, ce qu'on prêche là, mes amis, là. Vous voyez? Donc, il y a tout ça. Comment voulons-nous que le Seigneur puisse se glorifier à travers nos vies? Vous voyez, frère et soeur? Il y a des chrétiens qui font des choses terribles, graves. Tu les reprends? Ils ne sont pas contents, mes amis. Vous voyez, frère? Ils sont pas contents. Tu n'as pas fait le quart de ce qu'ils ont fait, même l'orteil des actes qu'ils puissent poser, mes amis. Mais ils vont dire, ah non, c'est toi le méchant, mes amis. Frère, voici le chrétienté aujourd'hui. Le péché est embrassé par beaucoup de chrétiens, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? Le péché. Oh, mes amis. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Ils vont justifier leur péché. Justifier, justifier, justifier. Continuez à justifier vos péchés, mes amis. Continuez à justifier vos péchés. Le roi des rois, mes amis, revient. Le roi des rois est à la porte. Donc ton mariage ne doit pas être au-dessus de Jésus. Ton travail ne doit pas être au-dessus de Jésus. Tes diplômes ne doivent pas être au-dessus de Jésus. Vous voyez, frères et sœurs? La coupe du monde ne doit pas être au-dessus de Jésus. Les dons, l'appel que tu as reçu ne doivent pas être au-dessus de Jésus. Parce que tout n'est que grâce. Tout ce qu'on a reçu n'est que grâce. On oublie souvent d'où on vient. Souvent, on peut oublier d'où on vient. Oui, frères et sœurs. On oublie souvent, frères et sœurs. On oublie souvent, mes amis, d'où on vient. Oui, frères et sœurs. On oublie. Mes amis. Oui, frères et sœurs. L'évangélisation. Il faut crier Jésus et non aller crier la Coupe du Monde dehors. Il y en a, ils vont aller prendre leur billet de train pour aller crier Jésus aux Champs-Élysées, crier Jésus dans leur pays, dans leur ville, si c'est leur pays qui ont gagné. Ils vont crier Jésus par la fenêtre, tout ça. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? Quand il voit ça, le Seigneur, ben son cœur pleure parce que très pour le fardeau de Jésus dans leur cœur. Le fardeau pour les âmes, le fardeau pour le salut des âmes. Au point où dans les églises, ils ont mis des cours de baptême. Il y a des chrétiens qu'on a pu baptiser, ça fait 10, pour ne pas dire 10 ans, 2 ans, 3 ans, frère, qu'ils attendent le baptême, mes amis. Voilà pourquoi ceux qui veulent prendre le baptême, pouvez envoyer un mail. Si tu veux le baptême, tu peux nous contacter, on va te baptiser. On va prendre ça dans la semaine même, on va prendre rendez-vous, on te baptise au nom de Yeshua de Nazareth. On ne joue pas avec le salut des âmes. On ne joue pas avec les âmes, mes amis. Les âmes sont précieuses. Alléluia! Vous voyez, frères et sœurs, donc si tu veux le baptême, tu peux envoyer un mail ou un commentaire comme tu veux sur les vidéos, comme tu veux, on le verra par sa grâce. Et on va te baptiser au nom de Yeshua de Nazareth. Vous voyez, frères et sœurs, et ceux qui ont à cœur de soutenir la mission, vous pouvez le faire sur notre site www.evdn.org, rubrique soutien pour la mission, les missions qui sont à venir par la grâce du Seigneur. Et voilà. Et merci pour vos prières, frères et sœurs, de prier pour nous. Voilà, de continuer à prier pour nous. Voilà, parce qu'on a besoin du corps, hein, frères et sœurs. Et donc, priez pour nous, frères et sœurs, et pour qu'on puisse accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire, frères et sœurs, pour son royaume. C'est vrai que ça crée beaucoup d'incompréhension, beaucoup de polémiques dans la chrétienté, même le fait que des chrétiens peuvent crier, etc. Mais frère, c'est biblique en vérité. Donc il faut que toi qui entends ce message ne sois pas, comment dire, déçu ou triste au point d'abandonner le travail que le Seigneur te demande parce que ton église n'est pas d'accord avec l'appel que tu as reçu du Seigneur, avec l'œuvre que le Seigneur te demande de faire, mon ami. Si tu restes dessus, en fait, tu vas mourir en vérité. Tu vas étouffer ce que le Seigneur te demande de faire
Et le Seigneur, ben, il va t'interpeller. Il va t'interpeller. Mais le Seigneur est pressé d'agir. Le Seigneur est pressé de travailler, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, ne passe pas à côté de ce que tu as reçu du Seigneur. Tu vois, ce que tu as reçu du Seigneur, c'est toi qui l'as reçu. Ce n'est pas moi. Donc ce n'est pas à moi de te dire de faire comme ça. Tant que c'est biblique ce que tu fais, fais le travail du Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça le royaume, c'est ça l'église du Seigneur. L'église primitive n'a pas reçu d'autorisation d'un tel ou un tel pour aller travailler pour dans le royaume, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia! Donc voilà, frères et sœurs, c'est glorieux, mes amis. C'est magnifique. Le Seigneur est fidèle, il est vivant. Donc, voilà, partagez ce partage pour les frères et sœurs, pour les chrétiens. Voilà. Et que Jésus-Christ soit glorifié, qu'il soit béni, mes amis. Et fais le travail que le Seigneur te demande de faire. Fais le travail. Ce n'est pas orgueilleux, ce n'est pas rebelle, ce n'est pas, comment dire, tu ne seras pas rebelle ou orgueilleux de faire l'œuvre que le Seigneur te demande de faire. L'appel est en même temps biblique en vérité. Vous voyez, frères et sœurs, travailler dans le champ du Seigneur, c'est biblique. Ce n'est pas un sujet qui est tabou. C'est normal de œuvrer pour le royaume. En fait, c'est ça le chrétien aussi. On est sauvé, mais il faut œuvrer pour le royaume. Tu vois, frères et sœurs, prêcher l'évangile, c'est biblique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit minimiser ou c'est oh non, mais. Je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont fermé la bouche parce qu'ils pensent que c'est un blasphème de faire l'œuvre du Seigneur. Mon ami, c'est. En fait, tous les chrétiens doivent travailler, mes amis. Quand Jésus est venu, il a envoyé les disciples prêcher la parole. L'Esprit n'était même pas encore descendu. Donc Jésus nous a montré comment il fallait faire. Donc il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas travailler pour le Seigneur sous prétexte qu'il y a les démons. On leur a tellement matraqué avec les démons. Comment on a pu partager l'autre fois? Ils ont été paralysés. Paralysés. Démons, sorciers, démons. L'Église ne peut pas parler que des démons, mes amis. L'Église ne peut pas parler que du diable. Vous voyez, frères et sœurs, ça va te bloquer dans l'œuvre du Seigneur, mettre une peur en toi. Et tu ne pourras plus agir pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que ben, y a une peur qui est dans ton cœur, dans ton âme, là, mon ami. Alors que les apôtres, les disciples, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que dit la parole du Seigneur? En fait, que nous marcherons sur les scorpions et les serpents. On a reçu l'autorité pour marcher sur les scorpions et les serpents. Donc Jésus est fidèle et capable de protéger ses enfants, mes amis, que nous sommes. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez, frères et sœurs? C'est ce qui est magnifique. Ce n'est pas moi qui va te protéger, c'est Jésus. C'est Yeshua qui va te protéger. Vous voyez? Parce qu'il tient l'âme de tout ce qui vit. Il a vaincu le démon. Mais dans notre chrétienté, quand on voit la chrétienté, frère, on a l'impression que Jésus n'est pas mort sur la croix. On a l'impression que Jésus n'est pas ressuscité. On voit des chrétiens tristes, des chrétiens qui n'ont pas la joie, des chrétiens qui n'ont pas. Je vous dis, on se demande, mais est-ce que Jésus est vrai? Quand on les voit, est-ce que Jésus est vraiment mort sur la croix? Les païens, quand ils les voient, ils se demandent, mais est-ce que leur Dieu là est vivant? Parce qu'ils voient leur comportement, ils voient leurs actions, leurs péchés, leurs insultes, leurs mauvais comportements, mais ils disent, mais leur Dieu là, mais ils racontent n'importe quoi. Ils ne sont pas fermes dans ce qu'ils disent. Oh, Jésus est mort sur la croix, Jésus est mon Dieu, tout ça. Corona arrive, les païens ont vu beaucoup de chrétiens pleurer, mes amis. Au lieu d'aller les évangéliser, beaucoup de chrétiens se sont fait évangéliser par le corona, mes amis. Corona a évangélisé les chrétiens. Il y a des chrétiens, frères et sœurs, qui devaient sortir pour évangéliser. Monsieur Macron n'avait même pas encore dit que c'est tout le monde à la maison. Des chrétiens avaient annulé leur programme d'évangélisation. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de conformisation, c'est présent? Vous voyez, frères et sœurs, la peur, vous voyez, frères, mes amis, ils ont annulé leur programme. J'ai été scandalisé, mes amis. J'ai été scandalisé. Oh, mes amis. Monsieur Macron n'avait même pas encore décrété le confinement. Des chrétiens, qu'ils ont fait? Ils ont carrément annulé leur évangélisation. Alors que c'est là qu'il fallait commencer à parler pour avertir les gens. Ils ont annulé leur programme d'évangélisation, mes amis. J'étais scandalisé, mes amis. J'ai dit, waouh, la religion. Vous voyez, la religion. Le bâtiment. Vous voyez, on aime le bâtiment. Le bâtiment était fermé. Beaucoup étaient désorientés. Parce qu'ils ne pouvaient plus se retrouver dans le bâtiment. Au chaud, au calme.
Mais ça va tomber ces pierres sur pierre. Ça va tomber, mes amis. Je vous dis la vérité, parce que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Beaucoup pensent que la parole dit les vrais adorateurs adoreront le Seigneur le dimanche à l'église. Dans leur bâtiment, c'est là qu'il est. Hors du bâtiment, on peut pécher facilement. On peut pécher, on peut forniquer, on peut se prendre la main dans la main, il n'y a pas de problème. On peut se prendre main dans la main. C'est pas grave, on peut coucher ensemble avant le mariage. C'est pas grave, on peut y aller. On peut pécher, on peut dissimuler les choses, on peut mentir, tout ça, mes amis. C'est pas grave, hein. On peut y aller, on n'est plus dans l'église. Mais attention, avant d'aller à l'église, il faut prier la veille pour se sanctifier. Parce qu'on va rentrer dans la maison de Dieu. Et pour ne pas être démasqué pour nos péchés, on va se repentir avant. Mon ami, vous irez en enfer comme ça, mes amis. Vous pratiquez le mal, vous irez en enfer comme ça, mes amis. Voilà la chrétienté, mes amis. Jésus n'est plus prêché. Le royaume n'est plus prêché. Vous voyez, frères et sœurs, la liberté en Yeshua n'est plus prêchée. Vous voyez, frères et sœurs, des chrétiens sont paralysés. Paralysés, mes amis. Et les âmes attendent l'évangile dehors. Les morts qui sont dehors, ils sont morts encore spirituellement, ils attendent le message pour être réveillés. Mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, église? Tu es où? Tu habites dans ton pays, tu es dans ton pays. Au lieu d'évangéliser ton pays, toi, tu veux quitter ton pays pour aller dans des programmes dans d'autres pays, mes amis. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis? Il y a des chrétiens qui quittent leur pays pour aller dans des programmes, se fermer dans des églises, dans d'autres pays. Et leur propre pays, ils n'évangélisent pas leur pays, mais il y a un problème. Je vous dis, hein, une génération adultère, méchante, qui aura des comptes à rendre au Seigneur, mes amis. Frères et sœurs, soyez encouragés. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui ne veut pas entendre, mais n'entend pas. Mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, ce qu'il me dit personnellement. C'est un message qui me concerne aussi, que je dois aussi mettre en pratique. Vous voyez, frères et sœurs, tout ce que nous prêchons, c'est pour nous d'abord. Ce n'est pas pour les autres, c'est d'abord pour nous. Donc ce que nous prêchons, on doit soi-même l'appliquer, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, parce que beaucoup de chrétiens prêchent des messages, prêchent, beaucoup, on voit, hein, beaucoup de prédicateurs, mais très peu mettent en pratique ce qu'eux-mêmes prêchent. Et c'est là le plus grave. C'est là le plus grand danger, mes amis. Oui, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, tout ce que je prêche, tout ce que tu prêches, il faut l'appliquer pour ta vie, mes amis. Pour ta vie. Ta propre vie d'abord. Et non pour les autres. Parce que beaucoup préparent des messages pour prêcher aux autres. Ah, je vais donner ça au peuple. Mais toi, quel message? Et toi, qu'est-ce que tu te donnes à toi-même? Hein? Frère, c'est terrible, hein? Frère, on doit trembler, en vérité. Hein? On doit trembler devant l'évangile, trembler. Qu'on ne te trouve pas dans le mal, que le Seigneur, quand il revient, ne te trouve pas dans le péché, mes amis. Ne mets pas, comment dire, les choses de la vie au-dessus de Jésus. Beaucoup ont oublié que Jésus, c'est le chef des chefs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Beaucoup l'ont mis, je vous dis, beaucoup ne voient plus Jésus, mais ne voient que leur église, que l'homme. Le pasteur a dit, il ne faut pas que je prêche comme ça. Le pasteur a dit, il ne faut pas que j'aille évangéliser sans qu'il me donne l'accord. Le pasteur a dit, mon ami, tu es un idolâtre. Quand est-ce que tu diras, Jésus m'a dit? C'est Jésus qui m'a dit. C'est Jésus qui m'a mandaté. Il m'a dit, va. Il m'a dit, va et annonce ma parole. Va. Quand est-ce que les chrétiens diront cela, mes amis? Pour créer la Coupe du Monde, par contre, là, aucun pasteur ne t'a donné l'autorisation pour créer la Coupe du Monde. Vous voyez l'hypocrisie, mes amis? Pour aller à Châtelet crier, oh, la Coupe du Monde! Frère, ça c'est terrible ce que je reçois là. Pour aller crier à Châtelet, aux Champs-Élysées, on a gagné la Coupe du Monde, tu n'as reçu aucune autorisation du pasteur. Grand faux. Aucune. Mais pour aller crier, Jésus a gagné. Par contre, là, il faut une autorisation du pasteur. Vous ne voyez pas que vous vous moquez du Seigneur, mes amis, là. On se moque du Seigneur. Vous êtes des faux chrétiens, des adhérents à la chrétienté. Vous voyez, frères et sœurs?
Parce qu'on dit, ouais, il faut la couverture parce que les démons peuvent nous attaquer, qu'on va faire l'œuvre. Mais mes amis, mais pas les cris la Coupe du Monde là. Tu dis pas qu'une bombe peut péter là-bas? Un bus peut arriver, vous écraser tous? Bizarrement, ça, on dit pas ça. Alors que chez le monde là, là, c'est le monde, hein, mes amis. Hein. Comment pour le monde, vous demandez pas au pasteur pour faire des choses? Mais pour les choses du royaume, alors que Jésus nous protège, nous sommes cachés en Yeshua, et il vous faut une autorisation pour les demander au pasteur pour faire telle ou telle œuvre, qu'est-ce qu'il en pense? Mais mes amis, on se moque de qui, mes amis là? Vous moquez de Jésus de Nazareth, mes amis là. Vous moquez de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua de Nazareth, mes amis. Oh Père de gloire, quelle confusion, frères et sœurs, mais c'est grave. Oh Seigneur Yeshua, je vous dis la vérité, le Seigneur va chercher les prostituées, les brigands, les voleurs, les prisonniers. Ils vont prêcher la croix, il y aura des guérisons, des miracles, des conversions. Je vous dis la vérité, ceux et celles qui ont saisi ce message, qui saisissent l'évangile véritable, vous serez accompagnés, vous serez précédés par la puissance d'en haut, la puissance de Jésus de Nazareth. Des hommes et des femmes vont pleurer leurs péchés. Je vous dis la vérité, même dehors, là, on va t'insulter. Je vous dis, les démons, là, ils vont vous insulter dehors. Ils vont vous injurier. On vous crache au visage. Venez voir, mes amis, mais tu seras précédé de la gloire du Seigneur. Des hommes et des femmes se convertiront. Et à la fin des temps, le Seigneur te dira, bon et fidèle serviteur. Frère, on sera récompensé. Pas par les hommes, hein, par le roi des rois, par le maître des maîtres. Et on a vu dans le passage que tout à l'heure je voulais prendre dans Samuel, on va le finir, excusez-moi. On va le finir. Voilà. Ne prête pas attention, voilà, 1 Samuel 16, verset 7. Mais Yahweh a dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains voient de ce qui leur saute aux yeux, mais Yahweh voit le cœur. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Mais il dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Il fit passer Shama. Il dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Ainsi, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Shemuel. Shemuel dit à Isaïe, Yahweh n'a pas choisi ceci. Vous voyez, tous ces hommes-là qui n'ont pas été choisis par le Seigneur. Frère, c'est terrible. Shemuel dit à Isaïe, sont là tous tes garçons. Et dit, il reste encore le plus jeune. Seulement, il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne retournerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il était dehors, mes amis, il n'était pas dans la maison. Vous voyez, on voit ici l'image de l'église. Le bâtiment plutôt, je dirais. Pas l'église corps de Yeshua, mais le bâtiment. Donc beaucoup sont dans les bâtiments. Vous voyez, frères et sœurs. Et dehors, des hommes et des femmes qui se font un travail, mais qui peuvent être méprisés par même les chrétiens. Vous voyez, frères et sœurs. Alors que c'est là il était à son poste véritable, il faisait pâte les brebis. Vous voyez, frères et sœurs. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne retournerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il le fit venir, il était roux, avec de beaux yeux, une belle apparence. Yahweh dit, lève-toi et oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. Voilà l'homme, la personne que le Seigneur avait choisi. Il était dehors, frère, avec les brebis. Les brebis, ça sent pas très bon au niveau de l'odeur. Voyez. Donc ça peut être méprisé comme travail. Oh, lui, fait, elle là, c'est ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi. Alors que c'est le travail que le Seigneur lui demande de faire. Donc sois là où le Seigneur te veut. Et je te dis la vérité, c'est de gloire en gloire, mes amis. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas l'œuvre que le Seigneur te demande de faire. Même si cette œuvre est méprisée par les hommes, méprisée par tes frères et sœurs, méprisée par ta famille, je te dis la vérité, demeure là où le Seigneur t'attend. Je te dis la vérité. Ça, c'est un message pour toi, frères et sœurs, pour nous, frères et sœurs. C'est important, mes amis. Oui, frères et sœurs. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'Esprit de Yahweh saisit David. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Vous voyez, mes amis? Donc, en fait, il a été oint. Donc, les gens que le Seigneur oint ne sont pas souvent ceux qu'on peut prétendre de nos yeux physiques. Ah, oh là là, waouh, quelle éloquence, quelle. Mon ami, souvent les hommes que le Seigneur, les femmes et les hommes que le Seigneur choisit, voilà, pour son royaume, enfin, les chrétiens en général. Les chrétiens ne sont pas aimés en vérité en général. Vous voyez? Ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas appréciés. Les chrétiens sont rejetés. Les chrétiens sont haïs de ce monde. Voilà le message, frère, de l'évangile. Ils sont haïs même de l'église, même de leur église. Je vous dis la vérité. C'est écrit dans la parole, vous serez chassés des synagogues. Vous voyez, frères et sœurs? Mes amis, c'est terrible, mes amis, ça, ce message. Donc, frère, on doit se lever dans l'évangélisation. Ne dis pas oui, j'attends le feu vert du Seigneur. Mes amis, il faut qu'on arrête de parler comme ça. Ça, c'est pour se cacher aussi, ça.
Ou j'attends le feu vert, j'attends qu'il me parle. Oui, il faut qu'il nous parle, c'est sûr. Mais il t'a déjà parlé. Il t'a déjà parlé. Tu attends encore des confirmations pendant 20 ans, 30 ans. Oui, c'est bien des confirmations. Mais il t'a déjà confirmé. À un moment, il faut aller. Tu vois, mon frère et soeur? Donc, soyez bénis. Ayons cette fougue du Seigneur, mes amis, cette fougue-là. Voyez cette fougue. Ne nous refroidissons pas. Ne devenons pas des vieilles outres. Des outres là qui ne reçoivent plus la vie, plus l'esprit, tout ça. Qui ne sont plus manéables par le Seigneur. Ça, sont devenus durs, endurcis, mes amis. C'est compliqué, mes amis, ça. Donc, soyons enflammés par le Seigneur. Soyons en feu, bouillonnés par le Seigneur. En feu pour Jésus, mes amis. Alléluia. Donc, que le Seigneur voilà, puisse nous toucher encore. Ceux qui acceptent ce message, gloire au Seigneur. Ceux qui refusent, ben, gloire au Seigneur quand même. C'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Voilà. Et voilà. Le salut est individuel et personnel. Et ce que celui qui a des oreilles entende, ce que celui qui ne veut pas entendre, ben, chacun aura des comptes à rendre au Seigneur ben, par rapport à ce que nous aurons entendu, qui vient du Seigneur et qu'on aura rejeté, mes amis, chacun avec Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, nous, on prêche l'évangile. Et ceux qui sont le cœur disposé, ben, je crois que le Seigneur va de plus en plus utiliser ceux et celles qui ont le cœur disposé. Ceux qui n'ont pas honte de lui, ceux qui n'ont pas peur d'être rejetés, ceux qui s'attendent que à Jésus. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, ceux qui veulent le baptême, on va laisser tourner un peu cet instrumental qui a été fait par notre frère, voilà, notre frère Wilfried, qui a une belle grâce par la grâce du Seigneur. Il y aura d'autres instrumentales comme ça qui vont sortir. Il y a d'autres chants en fait qui vont sortir, qui sont en préparation. Des chants magnifiques qui arrivent, frères et sœurs. Au nom de Yeshua de Nazareth, moi aussi, je prépare bientôt préparer un chant aussi qui sortira par la grâce du Seigneur parce que ben, on veut glorifier Jésus, on veut adorer le Seigneur, mes amis. Gloire au Seigneur, mes amis, c'est magnifique. Et par la grâce du Seigneur, pour finir, on a mis en place un studio. Hein. On a acheté pour pas mal d'argent des matériels pour un studio là, qu'on a mis en place par la grâce du Seigneur pour chanter, pour poser les chants. Voilà. Et ceux et celles qui ont à cœur de chanter, ben, vous pouvez nous contacter aussi, si le Seigneur permet. Là, on prépare des choses magnifiques qui arrivent là. Vous verrez ça par la suite, là, mes amis. Des choses qui arrivent magnifiques. Et c'est magnifique. Alléluia. Bonne journée, frère. Bonne journée, bonne soirée, frères et sœurs. On vous aime de l'amour de Yeshua. Priez pour nous et pensez à nous de la prière pour la mission. Au nom de Yeshua de Nazareth. Soyez bénis. À bientôt. Alléluia. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas sur le chat. On va laisser défiler quelques minutes l'instrumental qui est magnifique. Gloire au Seigneur, alléluia, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia, à bientôt.